tout travail. Écoutez, tout travail, Soro, écoute-moi. Tu sais, dans la vie, tout travail, tu prends comme tu prends au sérieux, là, c'est ça qui t'est réussi, non? Même si tu es devenu voleur, là, et que tu prends voleur, là, au sérieux, là, c'est ce qui t'est réussi, non? Marius a décidé. Ben, attends, il y a tes paroles en joulin. Walla, bilek, hein? Tiens, il flanait, baroque, la naïe. Ate, la lani, son roude, nous baye. N'est le café. Il faut qu'il y ait la lani, nous baye, ça. Même nous flignons. Il est qu'il y ait la lani, nous baye. C'est-à-dire, il était. Son roude, nous marie, son me beau, là. Il était, il m'y mettait, mais il était l'on a. Kadi, aïne, la messe, on garde, ou rati, le bémour, là. Il a dit qu'il n'y a pas de choses. Non, parlez un à un. Attendez, oui, on t'écoute, Ben. Ah, donnez, parlez enfin. C'est tout le monde n'est pas là ici. Ok, j'ai dit. On t'écoute. Dans la vie. On a compris. C'est pas intéressant quand c'est comme ça, là. Quand tu. Dans la vie, là, quand tu. Comment on appelle? Au moment où tu vois le Goku après toi, là, c'est que c'est ton lot qui est en train de venir. Donc, elles sont là. De la manière Abidjan est devenue, là. On dit que ça fait 40%. Des sida, 40% le taux des sida à Abidjan. C'est-à-dire les jeunes de 15 à 25 ans, la plupart, eux tous ont le sida. Tu n'as pas te ranger, chercher une bonne femme pour te caser avec elle. Aujourd'hui, tu es avec, Kadi, demain, tu es avec Mariam, après demain, tu es avec Marie, après demain, tu es avec Wall, après sur le lendemain, tu es avec Noura, après tu es avec Karima. Ça, c'est quelle vie? Bon, Ben, si je te dis que depuis Chéri est parti, là, Marius n'a pas copine, là, tu vas me croire. On ne peut pas te croire, mais il faut nous décortiquer pour qu'on puisse croire, c'est ça? Ouais. Marius, là, ce ne sont pas ses copines. Je vous dis ça, ce ne sont pas ses copines. C'est Chéri seulement qui était sa copine. On n'a qu'à prendre pour toi ou bien on n'a qu'à prendre pour Marie. La dernière fois, Marie s'est montée, il dit, si je prends ta fille, qu'elle me suive, qu'elle me convient pas, il laisse mais prendre l'autre. Il a dit ça comme ça. Non, laisse ça. Laisse ça. Toi, tu n'es pas. Ça dit, c'est Marius même, ce qui sort de sa bouche là que nous on prend. Pourquoi on prend bon, aujourd'hui là, il a dit c'est sa copine qui est la petite là. Toi, tu es sûr de ça. Il a dit. Marius, il a dit c'est sa femme qui est là aujourd'hui. Là. C'est la fille là, lui va marier aujourd'hui là. Mais qui a dit c'est du buzz, c'est pas sa copine. Mais qui a dit? Marius dit que c'est sa femme qui est là, là, aujourd'hui. Mais là, on n'a pas quoi pour toi et puis on n'a pas laissé pour Marius. S'il vous plaît, je vais parler. Comme le médecin, il est venu n'importe comment. Les filles qui cherchent, c'est parce que c'est les filles aussi, hein. Elles sont pas sérieuses qu'elles s'en vont là-bas. Mais ces filles-là, elles savent très bien ce que Marius, les trucs que Marius fait sur les réseaux sociaux. Et puis, il affiche telle fille. Demain, on va afficher une autre fille. Après, demain, on va afficher une autre fille. Toi, mais tu vois, tu sais que ce dernier n'est pas sérieux. Tu t'en vas là-bas. Et puis, demain, il va te boire, c'est même ta soeur. Même pas longtemps, on a fait un discours de Marius, où les filles sont allées se battre chez lui par rapport à une autre fille burkinabé qui était là-bas. Vous comprenez un peu. Ah, c'est qu'elle a là. Elle n'a pas dit qu'elle n'est pas au courant du discours. Elle est au courant du discours. Elle est au courant ça. Elle est au courant de ça. Mais elle a pas dit se mettre là-bas quand même. Moi, je dis, attends, si tu n'es pas sérieux là. Tu es une fille que tu tombes sur. Si tu vois que la fille, elle est sérieuse, elle est trop bien là. Tu n'as pas t'engager. Elle n'est pas bien là. Tu n'as pas t'engager. Parce que c'est qu'elle n'est pas sérieuse. Vous comprenez un peu. Donc là, arrêtez. Disons, on va accuser Marie. Disons, on va accuser les filles. Je pense que les deux, ces gens, les deux là, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans un mood qui les arrange, qui sont là-bas. Sinon, si c'est un truc qui les arrange pas, ils vont pas partir là-bas. Donc, disons, c'est de Marius, là. On va dire une chose aussi. Marius, c'est vrai, il n'est pas sérieux. Il n'est pas fait sérieux, même, au fait. Mais les filles aussi qui sont là-bas, c'est pas qu'elles mêmes elles sont pas sérieuses, elles n'ont pas fait de sérieux aussi. Donc, c'est un moment de quoi? Ils cherchent buzz, les filles aussi, elles cherchent visibilité. C'est tout. Sinon, il n'y a pas quelque chose à dire là. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'aimerais dire, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Comme je vais dire ça tout à l'heure pour la prière, donc on se répond après. Thérapie. C'est le plus important, pardon. Mais ça, pardon. Ah, il y a beaucoup de guerres, la famille de Richard, elle a 4 ans, 18 ans, on fait son guerre, pardon. Non, elle a 18 ans, elle-même n'est pas là, ça va prendre. On peut faire le point aux gens par rapport à Richard, là. T'as quoi, tu vas chercher là-bas? En tout cas, on va prendre les bios, sinon, là, ils sont appelés à se marier. Elles vont rester dans sa demeure, là. Ça va les suivre. C'est quel garçon qui a parti prendre tout le ciel, là? C'est la même, c'est là, c'est mignon, regarde son visage. C'est la génération prêtée, son ciel, là, c'est mignon qui est là, là. C'est qu'il n'y a rien pas chercher dans elle. C'est une petite fille, mais même la même vie. Je peux intervenir. Bonsoir. Oui, bonsoir, on t'écoute. On va changer de sujet tout à l'heure.
Ok, la dernière fois, on a fait ça comme live, si Marus ici. Jarabi, toi, tu as tapé pour attendre. Tu as dit que Sandra, là, c'est la dernière go de Marus. Je sais que mon frère, là, c'est fini. Il va plus envoyer dans le seul. Tu te rappelles? Je ne me rappelle pas, j'ai jamais dit ça. Eh, Jarabi! Okay. Bonjour, on revient vers vous pour venir vous faire le point de comme ils étaient déjà au plateau pour payer la tombe. Ils ont déjà payé la tombe, maintenant ils sont partis à Trèsville, la dame qui les a reçus à la monterie. Ok, demain faut répéter, faut revenir. Demain à partir de 9h00, tout le monde au CHU. À 10h, ils vont prendre le corps pour aller l'enterrer. 00, tout le monde au CHU. Demain, à partir de 9h00, tout le monde au CHU. Donc, ça veut dire que ce n'est pas 14h. Hein, parce que on sait que toujours. On sait que toujours. Excuse-moi, Ben. Les enterrements, on sait que toujours c'est matin, ce n'est pas à 14h. Donc, demain, là, c'est repos. Demain, à partir de 9h, ils vont aller prendre le quoi à 10h, la direction cimetière. Donc, les gens qui vont vouloir partir, là, voici ça. Tout est réglé, tout est bon. Donc, Ben, tu peux parler, on t'écoute. Donc, à partir de 9h, tout le monde au CHU de Trècheville pour récupérer le corps, pour aller l'enterrer à Bobo. Donc, ça dit tout est bon, Corbia, tout est bon, tout est tout. Ouais, Corbia, tout est bon. Ils ont dit même, eux-mêmes, ils ont dit, ils vont donner Corbia à la morgue là-bas. Ah oui, ils donnent Corbia là-bas. Mmh. Ok. Maintenant, et dans ce cas, voilà, ils ont pris le cafiné de la dame, le truc, la cafiné que la femme là devait donner. Ils sont en train de partir à Bobo pour aller prendre Kassangé là. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok, donc ça. Elle a déjà payé les seaux, elle a déjà payé seaux, parfum, elle a déjà cousu Kassangé là-même. Ah, la dame a déjà payé, ah, merci à elle. Elle s'appelle comment est-ce merci. Voilà, c'est la maman d'une de tes abonnés là. Mmh, merci beaucoup à elle, merci ah. beaucoup. Mmh. Donc si... mmh. On t'écoute, Ben. Si vous pardonnez, pour tous ceux qui ont la main sur le cœur, le numéro en haut là, c'est Orange Money. En bas là, c'est MTN Money, en même temps Wave. Pardonnez, faites à cause de Dieu. Elle est décédée, laissant derrière elle un petit garçon de 6 ans. Sa grand-sœur là, elle n'a rien pour s'occuper de l'enfant là. Donc, on veut que vous, si vous pouvez... Là, elle va récupérer ses bagages aussi. On va la mettre dans un cas pour qu'elle parte à Bonon. Pardonnez, famille. Famille demande pardon. Pardonnez, faites à cause de Dieu. Pardonnez, ne faites pas à cause de nous. Hein. Et puis, tous ceux qui vont envoyer quelque chose, écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît. Pardonnez. 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 Pour l'amour de Dieu, pardonnez. En tout cas, c'est bon. Je suis content. Si tout a été réglé, c'est bon. Ou bien... Vous n'avez pas dit que quand vous montez, vous faites semblant de monter une musique, non? Et cassile là. N'importe quoi. Si vous voulez envoyer quelque chose là, écrivez dans les commentaires. Celui qui va envoyer, même si c'est 1000 francs ou 500, écrivez dans les commentaires. On va vous dire merci. Pardonnez. Pardonnez. Faites à cause de Dieu. Pardonnez. Pardonnez. Le plus difficile est déjà fait. Elle n'a toujours pas été enterrée, elle sera enterrée demain. Madame Gassama, pardonnez, on a besoin de votre aide, s'il vous plaît. C'est le numéro qui est là, le 07 18 90 18 30. Pas un truc, les morts là, samedi ça travaille pas, matin ça travaille, après ça fait ma midi. Donc c'est le matin, maintenant ceux qui veulent partir là, vous pouvez partir au CHU de Trèche Tahoe, ou bien vous pouvez partir au cimetière de Biabou là-bas là. Voilà, parce que là, il y a les gens peut-être qui veulent partir tout et tout. Maintenant, Ben a fait des propriétaires, t'as parlé à lui? Hey, attends, je l'appelle de suite là, pardon. Mais propriétaire aussi, tu peux pas laisser louer là gratuit. Tchou! Ok. Ah. Ok. Non, laisse, on t'écoute, hein. Tout est okay. Bon, tout est bon, tout est coordonné, tout est zo. Ouais, c'est ce qu'on a entendu. En tout cas, les choses se sont bien passées. Ils ont pu payer ce qu'ils devaient payer, tout et tout. Là, maintenant, c'est le programme de l'enterrement de la fille en question, voilà. Et même la morgue s'est proposée de donner
le Corbia et tout, c'est vraiment à saluer aussi à ce niveau-là. Donc c'est ça. Voilà, c'est triste. Voilà, c'est une jeune sœur africaine. Voilà, qui a laissé, comme tout à l'heure Ben l'a dit, un enfant de 6 ans. L'enfant de 6 ans, même hier, je crois, il chauffait un peu. Voilà. Il y a une grande sœur aussi qui pleure sa petite sœur. Voilà. 18-34. Ça, c'est le... Ah, Jarabi, tu t'es pas trompé dans les numéros, là? Non, c'est ça. Ah, je t'ai pas trompé. Orange Money, oui, ça a plus changé. 225, ah, c'est plus le 07, 18, okay. 90, 90. Alors, 18. Le Orange Money, c'est le plus 225, 07, 18, 90, 18, 34. Maintenant, le Wave. Le Wave, c'est le plus 225, 05, 55, 59, 60, 12. Voilà. Donc, vous faites, voilà, vous donnez ce que vous pouvez. C'est ça. Hier, on a eu une dame ici, franchement, la salue. Une dame qui s'est proposée de donner 30 000 francs chaque fin du mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité. C'est l'engagement qu'elle a pris ici. Je crois qu'elle a pris tous les contacts nécessaires avec Ben. Donc, vous pouvez faire parler votre cœur. C'est une sœur africaine. Ce qui est arrivé est triste, mais c'est arrivé. Donc, franchement, courage à sa famille. Courage surtout à sa grande sœur, qui était avant-hier, je crois, sur ce panel-là. Voilà. Voilà. Elle pleure. Elle ne fait que pleurer. Voilà. Nous, ce qu'on peut faire, c'est lui apporter notre compassion, notre soutien moral, notre soutien financier aussi. Donc, on vous remercie. Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live. Voilà. Non, moi je suis déjà bien, c'est bon. C'est pas pour des jeunes. Il est vraiment pour des pleins de pays, il est fatigué le jour là. Il faut que je suis là, il n'y a pas. Hé! Pays là, on ne peut pas se reposer, c'est quoi tout ça? Galavitoy est appelé le guichet à Béret. C'est pas possible. Bon, les amis, tapotez, partagez le direct. C'est très sérieux cette histoire là. Tapotez, partagez, on va commencer le Béret. Aïe, Ben, il y a mis sur la faute. Si tu as la faute, venez, on va faire. Puis en attendant qu'elle fait mon gouéret, ça va passer là. Il serait très concentré sur ce gouéret. Hey, attendez. Si tu es là, Ben, viens, tu as récapitulé en attendant. Le con de votre mère. C'est là-bas que je retrouve. Comment de votre mère, puis elle qui dit qu'elle violée, en fait, elle est petite. C'est sa maman qui est morte là, c'est son père, c'est son père, c'est ta maman qui est morte là. C'est le temps qu'elle joue qui, on me recherche par là. Ok, Ben, on te. Aïe, tu es parti. Tu pays là, on ne peut pas se reposer. On va écouter en attendant. Écoutons l'audio. Bon, je vais venir mettre l'audio, on va écouter. Ok, mets l'audio de la fille là. La fille là, mais elle n'est pas là. Tu veux qu'on ne comprenne pas ici, c'est quoi ça là? Je viens deux minutes. Mais Ben, il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, c'est bon, Yami, c'est bon. Oui. Elle m'a eu avec mon père qui s'appelle Diao Ludovic. La famille Diao Ludovic. La famille Diao. À Diopri Carrefour. Je recherche ma mère. Qui s'appelle Brigitte. Donc, si elle se reconnaît, voilà, qu'elle me retrouve au numéro, tant, et puis tu mets ton numéro là-bas. Ou bien tu mets mon numéro. Là, comme ça, les personnes, si elle regarde, ou bien quelqu'un la reconnaît, ou bien si elle parle de toi aussi à ses amis, si on voit ça, on va l'interpeller. C'est comme ça. Ok, c'est tout ce qu'elle a dit, oui. Bonsoir, bonjour, bonjour tout le monde. Pardon. Qui a cette photo là? C'est cette photo là, c'est qui? C'est la fille en question. Pardonnez, bonjour, partagez le live à tout ce que vous connaissez, partagez le live. C'est avis des recherches. Vous voyez la jeune dame qui est sur le truc là, sur la photo là. Elle cherche sa maman. Elle cherche sa maman. Mais Ben, elle cherche sa maman. Elle n'a pas une photo de sa maman aussi. Non, non, non. Elle dit qu'elle a que le nom de sa maman, même nom de famille de sa maman, elle n'a pas. Elle dit que sa maman s'appelait Brigitte. Elle habitait à Mans. Tu comprends, non? Donc là, sa maman s'appelait Brigitte.
Donc, sa maman l'a eu avec... pardon, tu peux lire le nom de la capture, là? Diao, à Diokoué, c'est ça, Carrefour. Voilà. Non, le nom du père, Diao Ludovic. Le nom de la mère, Brigitte. Non, grand-père, Diao Gilbert. La mère de ton père est une femme Yakuba de Danané, village Bano. Le petit frère de ton père est Dia Basile, asile de au Ghana, exilé au Ghana. Moi, je préférais que si la dame est là, là, ça va mieux expliquer pour que les gens puissent truc. Parce que quand c'est quoi, on est pas là et puis on parle, tiens. Moi, j'ai changé de sujet. Hein. Donc, il faut changer de sujet. Tiens, même elle va bien parler de ça. Là, quand les gens vont... Elle va bien expliquer, en long et en large. Si elle n'est pas là, là, quand les gens vont parler, là, qui va truc. Elle même elle est là et puis elle donne les références. Là, quand les gens sont là. Vous, là, t'apportez direct, on va commencer le bré. C'est quoi tout ça, là? Hein? Appelez-moi les amis de trucs. C'est pas l'ancienne go de Chica de Monaco. Eh, hey, c'est ça, laisse, attends, ça s'ouvre, attends. Il va me mettre un 500 000, il y a le jour où il me trouve. Des bêtes, l'homme comme cela. Position, position, comme si il veut remarquer ça, vous pouvez m'interroger. Attends, Eva, là, tu connais Géraldine, tu la connais, Eva, il y a une dans le commentaire qui parle, force à toi, Géraldine. Tu connais Géraldine? Bon, prenez votre tabouret, on va commencer le beret du jour. Il y a des aujourd'hui, là, on est dessus. Aujourd'hui, à vendredi, au vendredi, il y a tellement de sujets qu'il faut te muter, Kadi, sinon tu vas descendre tout à l'heure. Non, Tata Diarabi, non, moi, je parle pas, moi, je t'écoute seulement, hein. Donc, faut te muter. Moi, je parle pas. Il peut parler, non. Faut te muter, je n'ai pas encore commencé mon beret, tu veux me placer. On a tous connu, je suis chaleur glacée. Je suis à basse, je dis, je crois pas, tu vois. Les amis, je crois pas, hein. Je suis assis, mais je crois pas d'abord pour ce beret-là. Attends, j'ai partagé à qui d'abord? J'ai partagé ça à... J'ai partagé à l'ami de chaleur glacée. J'ai pas s'il va venir. Tu es assis debout. Tu es assis debout. Je suis assis, je ne crois pas à l'aise. Je ne crois pas d'abord à ce beret-là. C'est moi qui suis à Bassoudi. Bon, j'ai le partagé, il va venir. Je l'ai partagé, j'espère qu'il va venir. Tiens, j'ai ri dans l'eau, mais moi aussi, j'ai ri dans l'eau. T'as porté direct, on n'est pas encore monté. T'as porté le direct, on est 344 personnes sur le panel, c'est trop petit. T'as porté, on va aller à 500, 600, 700, 1 cas de personnes. Parce que ce gbaret là, c'est un gbaret dangereux, c'est un gbaret rocambolesque digne des films de western, c'est un gbaret de la marmaillot, un gbaret de la marguillot, un gbaret rocambolesque, un gbaret qui est, c'est-à-dire le gbaret, maintenant que le gbaret est torride, le gbaret est renchérissant. Moi-même, je suis assis par terre, puis je crois pas. Je crois pas. Quand Fatima a laissé Chica de Monaco là, on a fait le barrette de ça ici. Vous êtes témoin, oui ou non? On écrivait dans les commentaires, on est témoin. Quand Fatima a laissé Chica là, quand Fatima a jeté Chica de Monaco comme un gobelet pourri là, on était là, on a parlé de ça, on a renchéri. Aujourd'hui là, Fatima avait laissé Chica à cause de chaleur glacée. Chaleur a tapé dans le dos de Chica de Monaco. On a dit, mais il y a un qui a écrit là, Choco tempéré là. T'as apporté par terre direct à Choco Tempéré, il va venir ici. Bah, lui, il a écrit que c'est à cause de Monsieur Tan. Il a donné un petit dossier en bas. Il a écrit dans le commentaire que c'est à cause de telle personne que Fatima est partie. Il a donné la carte venir ici. On a assez, on l'attend. C'est quoi tout ça? Ta gueule, hein? Quand les têtes ont fait le balai de Marie, ils étaient là. Tout à l'heure, on a mis les balais, ils ont fui. C'est quoi tout ça? S'ils sont pas là, ils n'ont pas parlé, ils n'ont qu'à venir. Ça, c'est un balai, hein? Choco Tempéré, tu es là, monte ici. Monte ici, fais ta demande à monter. C'est quoi tout ça? Hein? Je vous explique le beret de Fatima. Fatima a laissé Chica, elle est partie derrière chaleur glacée. Chica, là, les gens m'ont insulté. Que Tata Djarabi, non, chaleur là, il a tapé dans le dos de Chica, que chaleur n'est pas bien. Nous tous, on a parlé dans le. On a parlé, on a eu Dagbe. On a dit non, ce que chaleur a fait, on ne fait pas ça. Mais chaleur a dit, c'est l'amour. Chaleur glacée, il dit Djarabi, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de Fatima, c'est la femme de ma vie. Juste comme ils sont donné les petits noms. J'ai dit, je suis allé regarder sur le compte de chaleur. Il n'y a plus de photos de Fatima là-bas. Je vous jure. Allez-y, vision. Allez-y faire. J'ai dit, allez-y inspecter sur le compte de chaleur. Pardon, allez-y, vous allez venir, vous attend. Et... Chaleur a supprimé tous les vidéos de Fatima. Il a supprimé les vidéos. Où est-ce que lui et puis Fatima sont au restaurant? Il a supprimé. Où est-ce que lui et puis Fatima sont partis au zoo? Il a supprimé. Où est-ce que lui et puis Fatima sont partis au restaurant? Il a supprimé. Où est-ce que lui et puis Fatima sont partis dans les résidences? Il a tout supprimé. Aïe, ouais, chaleur. Chaleur, tu as supprimé pourquoi? C'est là, je comprends pas. Y'a les amis. Ça peut être direct là. Voilà de chaleur, oui ou non? Aïe, c'est quoi tout ça là? On fait le. Fatima est là. Fatima même là, celle-là, elle n'a qu'à monter ici. J'ai écrit dans les commentaires, Tata Djarabi, on fait le beret, oui ou non? Si vous ne voulez pas qu'on fasse le beret, dites-moi, il y a beaucoup de beret là, il y a beret de Manuela, eux qui est là. Parlez, on va partir, on va avancer. On n'est pas encore monté à 500 personnes. On doit aller à 500, au-delà de 500 personnes sur ce direct là.
tapoter le direct, on montre le mercure du béret. Tapoter, partager le direct. Donc, je vous explique un peu. Donc, on dit que notre Fatima a laissé chaleur grâce pour aller drainer notre gars. Et l'autre gars que Fatima est parti derrière là, ils ont fait les captures de sa photo pour partager sur TikTok. Mais le gars en question là, c'est qui? Question. Parce qu'on dit que l'autre gars, c'est chaleur qui a... Attends, c'est qui? C'est Fatima, c'est qui? C'est chaleur. C'est Fatima. Attendez, Fatima. Ils sont en train de salir ton nom. On dit que tu as trompé. On dit que tu as trompé chaleur, c'est vrai. Bonsoir Tata Jarabi. Attends. Attends deux minutes. Fatima est là, attendez deux minutes. Ça te fait quelque chose. Attends, d'abord, il y a de passer la parole. Attends 2 minutes. J'ai mis le texte. Je vais t'exprimer d'abord. Parce que tu vas préparer pas d'abord. Nous insulter ici. Ok, d'accord, on t'écoute. Je suis juste venue donner une commission. Je peux parler? Oui, on t'écoute. Ok, bonsoir Tata Jarabi, encore une fois. Oui, bonsoir. Les autres. Fatima, elle respecte. C'est ce qui me plaît chez Fatima. Elle respecte les gens. C'est ce qui me plaît chez elle. Quand il y a un discours, elle vient l'expliquer. Avec tout le reste, non, Fatim, c'est de ton droit. Mais aller jusqu'à mettre mon image, ça, je vais pas tolérer. Quelle image? Donc, si vous voulez continuer le live. Attends, tu quoi, attends. Donc, tu as monté pour nous garant quoi? Je suis pas venu garant. Attends, les gens qui ont posté ta vidéo, et puis toi, et puis le gars, là, tu n'es pas parti des garants. Je suis venu parler. J'ai juste dit, pour une meilleure continuation, pour mieux s'entendre. Oui, ok, d'accord, il y a combien d'attente? D'accord, attends. Attends, Fatim, il faut arrêter tes grombrons. Ok, attends. Et puis, pas venu dans nos oreilles ici. Ok. Si sa photo est quittée, elle peut parler, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Ah, elle est partie. Aïe, Fatim. Attends, non. Attends, Fatim. Ah, TikTok. Non, attends, attendez. Remets la photo là. Elle est venue, non? Oui, tu le répètes, tu manques de respect. Attendez, calmez-vous. Y'a Jean Le Gouré, calmez-vous. Ils ont pensé ça hier, mais bon, ok, vous savez ce qu'on va faire. On sait, c'est la Fatima que je parle d'elle là. Elle est partie sortir, elle a trompé Chika. Eh, il y a des Chika de Monaco. Chaleur là, elle a trompé Chaleur. On dit elle a trompé Chaleur pour aller sortir à un autre gars. Comme elle a dit que non, qu'il y a beaucoup de Fatima. On va. Attendez 2 minutes. Ok, qui a fait le truc là? Photo ça là, moi j'ai mis là. Ta photo, elle a circulé sur les réseaux là-bas. On dit que non, que tu es trompé. On dit que tu es parti sortir un autre gars. Ça a l'air traîné sur tout le monde à brancher. C'est que tu as porté plainte contre tout le monde alors. Ah, t'as mis tout le monde en prison. Parce que les gens ont dit que non, que ah, la photo qu'elle a circulé, c'est Fatima, mais c'est pas Fatima. On comprend pas. Tu es monté là, t'as mon image, ton image qu'elle a, c'est sali partout là-bas. C'est nous, on a posé tes images. C'est pas nous, on a posé tes images authentiques. C'est pas nous, on a posé tes images. Oh. Images en Ganduya, on t'attrape maintenant. Non, attends. Faut laisser attendre. Tes photos sont en train de se circuler partout. On dit que non, que c'est mamie, c'est sucre au bois. Là, nous, on a fait quoi? C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute, on a fait quoi là? Ok, attends 2 minutes. Non, des filles. Qu'est-ce que vous voulez faire, ami? Bon, on va continuer le béret comme cela. C'est quand je suis tout le monde est au courant du béret, on continue. La personne qui veut parler, on vous écoute. On dit la fille Fatima a trompé son gars. Voilà. Donc tout le monde sait c'est de quelle Fatima on parle. On dit qu'elle a trompé son gars chaleur glacée. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Là, au moins, il n'y a pas image de quelqu'un qui nous dit qu'elle a parlé de nous. Il n'y a pas de tromperie. C'est chaleur glacée. Non, on ne comprend pas. Donc on écoute. C'est ça même qu'elle a venu nous expliquer ici. Voilà. Parce que aller sortir Chika et puis en même temps aller sortir Chaleur et puis faire les mêmes bêtises. Elle a quand même venu nous expliquer pourquoi elle a fait ça. C'est ce qui vous n'avez jamais vu quoi. Bon, attendez. Attends, on va parler un en un. Attends, laisse-moi parler un en un. Ce cas là, moi je n'ai pas dit non les gens. On dit qu'il y a une Fatima qui a sorti un gars. Donc là, on écoute. Le gars là même là, il ne le connaît même pas. Je ne sais pas c'est qui. En tout cas, nous on a vu les photos circuler sur les réseaux. Voilà. Parce que la fois dernière, qu'elle a trompé Chika là. Elle est venue chez eux, les victimes. Ah, on dit Chaleur Glacé a coulé. On dit Chaleur Glacé, il a coulé. Donc toi, t'as coulé, après c'est ton laissé quoi. Donc la femme de quelqu'un coule, elle est. Non, j'ai un coulé, c'est fou. Ah, on dit la coulée, on dit la coulée.
Attendez, qu'elle a parlé là. Qui parle au juste? Gabi. C'est lui qui parle là. Faut pas mettre sa photo. Faut pas dire en baisse à comment nom des gens. Parce que de un, c'est pas une histoire de peur ou bien quelque chose. Les gens qui sont en train de t'encourager là, c'est dans toi ton live. Aujourd'hui, il a droit d'auteur. C'est ça, je dis là. J'ai enlevé la photo. Mais nous, on parle. Elle est venue dire qu'il y a plusieurs Fatima. On parle des Fatima. Elle, c'est pas d'elle, on parle. C'est pas le seul qui est la seule Fatima. Et puis, c'est pas elle qui sont un chaleur aussi. Non, mais il y a pas de drame. Combien de photos où elle était pour un chaleur? On causait de ça. Voilà. Non, on va pas causer de temps, on parle, on fait le bras. Elle-même, elle est dans le délai, elle entend. C'est quand elle est venue nous dire, non, moi aussi, elle est captée ici. Elle est montée, je veux que, je suis pas la seule Fatim. Donc, nous, on fait le bras sur Fatim. Et puis, tu es montée, tu es avec nous, Barra. Tu dois pas nous garer. Bonsoir. Non, attends, on va parler, on t'écoute. Ma chérie, nous tous, on est femmes, hein. De la manière que tu es là, parler, là, on parle pas comme ça, hein. Pardon. Tu sais, à faire des chaleurs, et puis Fatim, là. Tu sais, c'est quoi qui s'est passé entre eux? On sait jamais, on attend Charlotte va venir s'expliquer. Et puis, on va parler maintenant ou bien, Djarabi. Charlotte, on attend Charlotte, il n'a pas porté. On dit, ils ont volé son portable aussi. Oui! Pourquoi tu sais quelqu'un sans Ma chérie, toi, c'est que toi, tu dis là. Moi, il n'en disconvient pas, hein. C'est que toi, tu dis, je n'en disconviens pas. Mais il l'a demandé simple. Et c'est tout là, c'est pas tout Bluetooth. Moi, j'ai pas parlé mal, hein. Moi, je lui ai demandé. Je lui ai posé la question. Elle doit venir répondre. Quand ta Djarabi a dit, elle est montée, vous dit, faut pas vous installer mon image. Il est pas, et puis, elle est partie. Non, ça se met, il t'aurait pas. Elle n'a qu'à monter, elle n'a qu'à venir nous expliquer. Ou soit, on. Attendez, je vais vous expliquer. La Fatine qu'on parle d'elle, là. C'est pas la Fatine qui est montée ici, là. Voilà. On va récapituler. La Fatine que nous, on a fait barrer sur, là, c'est pas d'elle. Parce qu'elle a bien dit que non, que. Il y a plusieurs Fatim. On peut faire notre sujet dans la paire du Christ, mais il y a plusieurs Fatim. Il faudrait qu'on enlève sa photo ou qu'on enlève sa photo. Maintenant, on fait le bras sur une Fatim que nous, on connaît. Ou bien, on fait un bras sur une Fatim que nous, on connaît. Donc, si toi, tu dis que son pétu est Bluetooth froid, moi, je comprends pas. Faire des pétu Bluetooth froid, c'est quitté ou ça? Eh! TikTok. On aura tout vendu à Bassoudi. Attends, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. On dit la Fatim en question a laissé chaleur glacée parce que bien sûr. Il y a fait des blagues dans tout ça même. Faut nous expliquer. Attends, non, Kadi, attends. Eh, c'est quoi, faut pas t'ajouter notre gamin. On te écoute, faut parler. Mais c'est ce qu'elle dit, c'est la Gigi. Quand quelqu'un a coulé, qu'il n'a pas coulé, quand on dit qu'il a coulé, qu'il n'arrive pas à s'y faire. Chaleur, montre que tu n'as pas coulé, chaleur, montre ça. Mais on dit chaleur, même, pas, on dit n'a pas portable. Toi, tu parles, on dit n'a plus portable, tout ça. Oh là, il a portable, tout. Voilà, chaleur, en bas, c'est plus comment vendre la meilleure genre. Comment dire que quelqu'un qui arrive à dépenser les 150 000, les 250 000 dans la journée, mais elle arrive à dépenser sur le marché 15 000, 10 000. Elle s'est pu réussir. Peut-être la pitié, c'est une façon de se mettre la même vie là. Hein? C'est quoi? C'est même si c'est quoi? C'est que chaleur a coulé, c'est qu'il a coulé son avis à chaque. Non, ne comprenez pas qu'on dit qu'il a coulé. Il a coulé, puis il a coulé. Eh, chaleur, là, chaleur, là, on voit une flèche, chaleur. Toi, on dit que tu as coulé là, faut monter ici. Il n'a jamais on dit coulé. Que tu as fait navire. Toi, faut pas que tu as changé ta bouche. Il n'a jamais coulé. Non, tu as changé ta bouche. Tu as dit tout à l'heure que chaleur a coulé, mais il fait dépense de 2000 francs. Dépense de 2000 francs qu'il fait, il a gagné. Donc, si chaleur là, il n'a qu'à monter ici pour nous expliquer pourquoi il a coulé. Va nous dire pourquoi il a chaviré. Parce que là, on dit la gola l'a laissé. Si la gola l'a laissé, il n'a qu'à nous donner la vraie version de l'histoire. Parce qu'on voit les vidéos circuler. On voit les vidéos circuler. Où est-ce qu'on dit que notre chaleur n'a rien pour appeler 210 cette tapette maintenant il faut se promener dans grand Abidjan. Attends, chaleur va monter. Chaleur va monter. Attends, il n'a pas de portable, il n'a pas de portable. Attendez, calmez-vous, parlez doucement. On dit chaleur a coulé. Quand lui et puis Fatim, l'aide a commencé là. Il n'a pas fait de live directement, il a attendu que les gens ont parlé jusqu'à quand les gens ont fini de dire ce qu'ils ont dit. En même temps, lui, ce qu'il est venu dire. Ça cause ça, il me plaît. C'est lui, on appelle un vrai homme. C'est lui. Jean, il n'est pas embrouillé dans la tête, quoi. Il n'est pas embrouillé dans la tête. Mm-hmm. Il dit, le petit sait ce qu'il veut. Il a fermé sa bouche jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas fait son palabre. Dieu a fait son palabre aujourd'hui. Mais voilà. Fatima, c'est toi, chalet. Moi, il veut que tu fasses monter. Tu as venu parler. Mais chalet va nous dire quoi. Il a honte. Il va avoir tout le monde sur moi. Non, il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à venir expliquer. Petite chose seulement. Non, mais pas beaucoup. On veut petite chose seulement. Il n'a qu'à venir nous expliquer. Ah, c'est pas mieux que tu aies dit ça en français. La partie où l'homme, là, c'est chaud. C'est qui vous oublie, là. Il y a un robot dans le robot. Ok, attendons parler un an. Attendons parler un an. Oui, on t'écoute. Il y a un robot dans le robot. Qui parle? Djarabi. C'est moi, c'est Charles. Mais c'est vous, attends, d'abord, attends, on parle un an. On t'écoute le cerveau. C'est pas parce que Charles a coulé. Il n'a pas coulé, ou fait. Tu vois, non? C'est la petite, même, elle a faux esprit. En comment? Elle a faux esprit. De base, même, elle a faux esprit. Encore, regardez du début jusqu'à la fin. Jean, qu'elle voit que ça moumou un peu sur toi, là. Elle regarde moi les jetons. Ok, le nouveau Moroc que Fatim Souhaï lui allait là, lui aussi il est en position.
la voiture aussi. Le Maroc est seul. Non, on parle de Fatim là. J'espère qu'elle va pas dire que c'est d'elle, on parle de ma chérie. Elle, 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 elle a dit qu'on peut dire son nom, mais ce qui s'est passé. Mais comme elle veut pas expliquer, et puis elle sait qu'elle a honte, donc c'est une djan là. Comme c'est une djan là, et puis elle veut pas expliquer là. Elle n'a qu'à partir. Charlie aussi, assis là dans le live, il sait qu'il peut venir casser tous les topos. Il va expliquer. Il n'a qu'à monter, merci. Il n'a qu'à monter, il va casser le papo. Aïe! Pas de chaleur, on dit chaleur, attends, on dit chaleur à couler. Tellement qu'il a coulé même là. Il demande 200 à ses amis pour boire l'eau glacée. Chaleur, tu as coulé vraiment. Non, on n'est pas déballé. Non, c'est pas ça. Il demande 200 aux gens pour boire l'eau glacée. Fais que chaleur à couler. Moi, je vois chaleur chez Offi. Chaleur n'a pas coulé. Il est toujours en position. C'est moi qui a. C'est moi qui s'affiche plus trop sur le métier et puis là. Tu vois, c'est ce qui m'a fait comprendre. On peut dire que Jean, il s'est rangé, Jean, il ne veut plus s'afficher, afficher, afficher, afficher. Mm-hmm. C'est le moment qui est là. Sinon, on n'a pas coulé. Mais attends, mais Chalet, mais il nous montrait ici qu'il était debout. Donc, il doit continuer dans ce sens-là. Parce que quand il poste ces vidéos-là, il nous montre qu'il est debout, il est au restaurant, il est là, pissé, il est dans résidence. Donc, on dit, ah, mais Chalet, là, c'est un vrai gars, hein. Du coup, les filles, même en vie, ici, Chalet, vous dites, ah, Chalet, même là, peut-être qu'il peut être mon gars, tout et tout et tout, tu vois. Mais aujourd'hui, ils sont venus nous dire que Chalet a coulé, là. C'est qu'on va dire, il a coulé. Si lui, il est sûr qu'il n'a pas coulé, il n'a qu'à monter ici pour nous dire, non, je n'ai pas coulé, puis il va descendre. C'est tout ce que moi, je veux savoir. Si il monte ici pour dire, Djarabi, je n'ai pas coulé, mais il y a quelque chose qui s'est passé, mais je n'ai pas parlé de ça. Et puis, il descend, puis c'est fini, on croit le discours. Yeah. Mais tant que Chalet va pas monter, là, non, on va parler de ce béret, là. Djarabi, Djarabi, on fait un truc, non. Mm-hmm. Il descend, non. Il est parti causer sur WhatsApp, non. Kéa, n'a qu'à revenir. N'a qu'à venir dans ton live. Qu'on a besoin de lui. Je vais parler chap chap, je sais pas s'il va accepter. Peut-être que lui-même dans le live, mais il va monter. Il regarde sur moi. Non, mais il est là, mais attends. Faut monter, non. Tu avais donné ta version des filles. Péa, allez là, c'est que nous. Moi, attends, un gros français. On veut pas, qu'il n'a qu'à rentrer dans les détails. On veut qu'il n'a qu'à nous dire, ah, voilà. La relation est finie, mais ça existe, c'est tout. Ah, c'est voilà, tout. Allez là, ce que nous on a vu, ce que nous on a vu sur le métal, c'est ça, nous on considère, allez là. C'est toi ta version, puis la petite, elle, sa version qui a fait que t'as chien. C'est tout, aïe. Voilà, parce que le son là est gâté dans toi, Abidjan, tu le montes pas. Moi, elle est laissée dans la boucle. Ils sont dit, ah, vous connaissez Charlie, il a coulé, il a chaviré, il a porté tapé, il porte Godio. Il ne sait pas tout ça encore. Ah, t'es exagéré. Djarabi, excuse-moi. C'est Milen. C'est Milen. Excuse-moi. Oui, on te coupe. C'est la même fille qui avait laissé Chica de Monaco là. Allez, les belles, ça, Fatim, allez, les belles, Fatim, les belles. Et, attends, allez, fais un war d'homme, allez, l'Afrique. Ah, il n'y a qu'à l'Afrique. Où est-ce que tu as, bro? Il vous dit qu'il n'a pas coulé en tant que tel. C'est juste qu'il a, décidé de se ranger. Et puis vous les filles aussi, là, nous tous on sait que femme là, quand il décide d'arrêter certains trucs que tu avais habitude de commencer, elle, c'est que tu avais habitude de faire elle, et que tu essaies de te ranger, essaies de mettre les trucs en ordre, voilà. Et tu vois comment Jean, si il devient autre chose, ben, si tu n'as plus les moyens, quand c'est quoi, là, elle oublie de te débrancher. Et puis là, vous oubliez que elle a débranché. Trompé, on dit que Charlotte a trompé une fille. Moi, ah, j'ai vous ne connaissez pas le vrai béret. J'ai dit le vrai béret. Moi, le vrai béret, même là, c'est qu'il a. Chalet même a connu Chica avant. Chalet a connu Fatim avant Chica. On est au courant de ça. Moi, je sais tout ça là. On sait tout ça là. Mais là, je dis, on dit que, non, que Chalet a trompé Fatim. Là, il a trompé avec une autre fille. Elle les a surpris. Donc, ça prouve que la relation est gâtée. Non, maintenant, là, avec... si c'est Chalet qui a trompé la fille et puis elle est partie là, c'est que Chalet aussi l'a mal fait. Parce que Chalet aussi ne peut pas venir nous dire qu'il va la tromper. Il ne peut pas nous dire ça parce que les gens l'ont insulté ici. Djarabi, il n'était pas hors chose, on appelle ça comment même. C'est pas elle, le Mogo, qui ont dit fait là, c'est pas lui, elle est partie de tomber d'abord. Hein. C'est un autre Mogo, il s'appelle Enoch PCS. Ça, vous n'êtes pas au courant de ça encore. Ah, il y a un petit, du métier, il s'appelle Enoch PCS. Ouais, ça me l'a moi, mais ça décrit en commentaire. Mais ceux qui savent là, ils savent. C'est pas là, c'est pas Enoch PCS que le bruit a commencé, il dit qu'elle va sortir fait là. Fait là, c'est qui encore? Qui est fait là? En même temps, tu ne le connais pas. C'est le bon, c'est là. Non, attends, c'est le vrai dossier qu'elle a quoi. Explique-nous bien. Hey. Non, c'est que la personne qui m'a écrit là, c'est faux. La personne m'a dit que. Attends. Moi, la personne qui m'a écrit là. Elle est sortie avec Enoch en vain avant de sortir Chica. Elle a laissé Chica. Oh, Enoch parlait derrière Chica. Maintenant, Chica, ça m'a tourné. Elle a laissé Chica maintenant pour aller derrière Chalon. Ah, ok. Chalon, maintenant, elle est venue derrière Fela. Maintenant, après Fela, maintenant, elle n'est pas dit derrière qui encore. Moi, voilà, c'est là qu'elle est là. En tout cas, c'est la photo. La fille est montée tout de suite. Elle a parlé là. Vous qui êtes en train de. Oh, on peut venir, on va arranger. Pendant les Djarabi, tout le monde vient. Tout le monde non, on a fini. Voilà, on a pas mis sa photo. Attends, on a pas mis sa photo. Donc, elle ne peut pas se sentir indexée. Elle est dans le direct, elle ne peut pas se sentir indexée parce que c'est pas d'elle. On parle. Elle n'a pas vu sa photo sur le film, qui que ce soit.
Aïe. Ou bien elle se reconnaît, elle a laissé chaleur. On te oublie. Moi, je parle pas de photos. Oui, okay, je parle des gens, qui vont venir parler là. Sachez parler en fait. Parce que je vois tout de suite la Kadi en train d'insulter la fille. Okay, tu sais pas ce qui, vous ne savez pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est Chaleur qui l'a trompé d'abord ou bien qu'elle n'était plus à Chaleur à moins de sortir avec tous les filles. C'est pas eux, ils sont des personnages. Mais ça, attends, Shams, moi je dis Shams. Moi, la personne qui m'a écrit, la personne m'a dit que non, que c'est Chaleur qui a trompé la Fatima en question. Donc vraiment, comment je dis, si vous êtes sûr que c'est pas Chaleur qui l'a trompé, la Chaleur n'a qu'à venir, il va nous dire. Il n'a qu'à venir nous dire non, c'est pas lui qui l'a trompé. Parce que moi, j'ai les trucs ici, les captures. La personne me dit que c'est Chaleur qui a trompé la fille en question. Et même les photos qu'on fuite là, c'est pas eux-mêmes qui ont fait sortir la photo, hein. Que c'est quelqu'un des groupes de Chaleur là qui ont fait fuiter la photo en question. Aïe, tu parles de quoi? On te parce que eux, c'est les personnages publics que tout le monde, on envoie pour ici, on traite. Ils sont personnages publics ou ça? Les filles, même, ils sont publics parce que tu parles d'eux, Jarabi. Je parle d'eux parce que c'est un petit béret du quartier qu'on en parle, hein. Sinon là, tu penses quoi? On t'écoute. Au personnel public. C'est la petite balade du quartier. Les gens qui sont publics, tu les connais, Ben. Quand tu parles de quelqu'un, c'est que la personne t'influence en fait. Wallahi Bilay, moi, ils le connais même pas. Wallahi Bilay. C'est les abonnés que tu n'as pas, Ben. Ben, ils ne connaissent même pas. C'est pas. Attends, la petite Fatima, on t'écoute. Jarabi, prends Ouattara, il va venir nous expliquer un peu. Ouattara, la fois, c'est un pas faute, il va rien dire. Il est monté tout à l'heure, il n'a rien dit d'extraordinaire, il est parti. Donc, j'attends la version des Chaleur, en fait. Avant de mais Chaleur ne va pas venir. Chaleur n'a plus portable, il n'a plus iPhone 15 Pro Max. Tim, tu es au courant du discours, faut casser Papo là. Vous venez nous emmerder. Si vous ne voulez pas casser Papo. On dit Idriss n'a pas de portable. Il s'appelle comment? Qui n'a pas de portable là? Eh, lui là. Chaleur Glacé n'a plus de portable. On a qu'à côté de portable pour lui. Vous êtes assis là, vous parlez. Ah, c'est quoi tout ça là même? Il n'a pas de portable. Il n'a pas. On dit même à sa page, même à sauter tout ça là. C'est Jarabi, quoi tout ça là? Jarabi, la chanson là, faut mettre la chanson là. De la manette, il vient au pouvoir. C'est comme ça qu'il t'en va. Faut mettre. Chaleur même aussi là, ça l'a raté aussi. Parce que Chaleur, elle l'a tapé dans le dos de l'autre mort. Quand il a tapé dans son dos ici, il était très content, il était heureux. Je le vois, voici Chaleur maintenant dans les restaurants, dans les bars. Je comprends, mais il faut que Chaleur l'aime la fille. J'ai un amour de deux jours seulement. C'est quoi tout ça là? Hein? Chaleur même là, ça l'a raté. Oh. Parce que si Chaleur même n'était pas devant là, quand tu prends peine de quelqu'un là, pour faire ça, mayonnaise, manger là, voici ce qui t'arrive. Donc là, c'est comme on peut donner un conseil à Chaleur. Il y a fait que Chaleur n'est pas allé prendre gros de quelqu'un d'autre là-bas. Ah, et puis toi, Choco là, ta gros là, il faut que tu l'as bien gardé. Parce que si Chaleur est parti la draguer là, quand ça va venir hier en chérie. Ah, parce que vous là, mais dans votre groupe même là, je sais pas. Hein? Ils ont bloqué son compte. Mais hein, ils ont bloqué son compte, il n'a pas de camarades. Non, hier. Hier qu'il est en live. Ils ont bloqué son compte comment? Hier qu'il est en live. Laisse-le ne pas bloquer son compte. Chaleur a honte de monter ici, la honte. Ils ont. Tu veux parler? Oui, on t'écoute. On verra mieux ça là. Bon, moi. On ne doit pas le rater aussi. On doit l'attacher aussi. Parce que lui-même là, quand Bouchik était venu là, Chaleur était surexcité. Je crois que Chaleur même là. Je lui dis que Chaleur, il va dépenser 1 million dans le restaurant. Il va au restaurant, il paye 1 million, il mange la nourriture là. 1 million. Et ce 1 million. Je crois que Chaleur est parti prendre sport, tout ça. Sport d'amène là, j'essaie ici, j'ai fait une vidéo, ça, mais c'est elle là. C'est quoi tout ça? Tu sais ce qui s'est passé? Moi, j'ai été cassé les papous, tu vas voir. Quand elle a Chaleur là, Chaleur, faut monter. Chaleur, faut monter. Tiens, nous, parce que nous, on va pas te laisser là. Attends, y'a tes. Parce qu'on a duré, c'est pour Chica de Monaco là, on va durer comme ça. Si tu veux, même ça, on va pas mettre votre photo même là. On va faire la vidéo. Écoute la partie là, quand elle est sortie, quand elle a laissé Chica de Monaco pour aller sortir avec Chaleur là, Chica maintenant allait gamer son frère sang, son meilleur ami. Tu es sûr. Chaleur va venir dire, elle est maintenant le meilleur ami. C'est Doy. Ok, il n'y a pas de drap. Tu fais comme si tu es au courant du papo. André, Ben est au courant. Attendez, Ben va parler. André, Ben au courant. Ben, on t'écoute. Actuellement, avec l'homme qui est SO actuellement, c'est le meilleur ami de Chica de Monaco. Tu es sûr, Ben? C'est Doy. Mais c'est Doy, c'est que tu connais la faute, dit. Moi, au moins, c'est qui a fait sortir les photos là? Qui a fait sortir les photos? Jarabi, attends. Lui, c'est le camarade de Chaleur. Attends, il va parler. Attends, il va parler. Ben, lui, il a du gars là. Il ne connaît pas Chaleur, il ne connaît pas Chica de Monaco. Que lui, il sait rien. Toi, t'as dit qu'il sait ce qu'ils font de la vie, non? Comment lui, il est au courant du papo? Tu as dit que tu ne le connais pas, donc là, il ne peut pas te croire aussi. C'est un fan. C'est que Ben, toi, tu es un fan. Jarabi. Jarabi, en fait, bon esprit. Toi, tu ne le connais pas. Comment tu fais pour connaître les papous? Tu veux dire, pose la question, il faut le prendre. Mon frère, quand tu es dans un live là, tu reçois les messages. Hey, Dieu, TikTok. Bonsoir. Jarabi. Attends, Isco, Jarabi. Isco, attends, t'es l'élément de Chaleur de Chica de Monaco, donc faut te calmer d'abord. Isco, vit nous, c'est même où. Isco, mais c'est même où. Ah, Isco, c'est même où là. Ah, forcément. Mais vous connaissez le dossier, vous ne pouvez pas parler. Parlez, on va quitter ici, les amis. C'est quoi, même parlez. En tout cas, c'est un élément de Bassam. Il veut parler, non? Hein? Il y veut parler, non? Il veut parler, non? Jarabi,
Moi, en tout cas, moi, il n'y a rien contre Chalet. Moi, je veux que Chalet n'a qu'à parler seulement. Moi, il n'y a rien contre Chalet. Non, Chalet n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler, c'est bon. Si sa nouvelle go lui plaît, elle n'a qu'à laisser sa nouvelle go. Si il sait que sa nouvelle go, elle est bien, elle le respecte, elle est bien. Peut-être, mais il dit, c'est qui vous ne savez pas. C'est qui vous ne savez pas. Peut-être, Fatim, c'est son but de la relation. C'est à cause d'elle. Fatim, tu parles aussi de ma chérie. Tu parles trop, Fatim. Il faut te calmer, les gens vont parler. Après, depuis, ils vont casser le bain. Il faut laisser, ils vont parler un peu. Tu parles. Isco, on t'écoute. Isco. Il m'a pour mes papos pour revenir. Toi, tu n'as pas des papos, mais tu as monté ici. C'est quoi ça, Charles? Je peux passer mon message pour partir. Oui, on t'écoute, oui. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour, Djarabi. Ben. Bonjour. Moi, je viens apporter un message. Mada a envoyé quelqu'un pour dire qu'elle veut parler à Makoso et Aya Robert. Elle veut monter sur les lives pour parler. C'est le message qui est passé. Tu es sûr? Attends. Tu as que Afati, mais puis Charles. Ils sont venus nous garder ici. On a fait nos brèves simplement tranquille sans dire nom de quelqu'un. Donc là, personne ne va nous mettre en prison. Donc on t'écoute, Saga. Ah. Il dit que c'est bien. Il y a beaucoup de demandes. Attends, voici Charles dedans. Voilà, pour les demandes. Charles n'a pas encore fait sa demande. Mm-hmm, on t'écoute. Voilà, c'est Ben, il a le papo nommé. Il est super, non. On va l'écouter. Il y a plus de 600 personnes. Oui, Ben. Tu vois comment c'est intéressant. Tu vois comment c'est intéressant d'être au parfum, au four et au moulin. C'est faux. C'est archi faux. Je viens d'appeler ma petite, j'ai tout le sujet. J'ai dit c'est faux. Faut les laisser, Ben. Il veut nous conduire. Même en grand, on vient de m'envoyer un long message par rapport à ce dossier là. Même en grand. Par rapport à ce dossier de qui, Chaleur là? Chaleur là. Tu vois, quand Chaleur a pris Gola dans la mer de Chica de Monaco, oui. Voilà, Chica a tout fait pour reprendre Gola, il n'a pas pu. Donc, il a bien sûr, donc ça veut dire que quand Chica a tout fait pour récupérer, pour revenir avec Gola ensemble. Mm-hmm. Il n'a pas pu. Il allait voir son frère sang. Il allait voir son frère sang. Il a gamé son frère sang. C'est-à-dire, il est bon, il a toujours mis là ensemble pour faire debout son frère sang. Dans tous les shows, il fait comme ça. Attends, il y a récapitulé. C'est-à-dire, quand la fille Fatim n'est plus ensemble avec Chica, là, ils sont allés cotiser, donc cotiser 500, 200, 300 pour faire debout Chaleur. Pour le faire, parce que moi j'arrive à non, conscience. Pour faire d'abord debout les frères là, pour faire debout les frères là. C'est ça que j'ai dit là, pour faire debout Chaleur, celui qui a Chaleur là. Non, Chaleur, pas Chaleur. C'est lui. Non, c'est pas Chaleur. C'est qui Chaleur. Uh-huh. Tu es pas là, les gens vont savoir. Tu vois, quand Fatim m'a laissé. Chica de Monaco pour aller chez Chaleur, pour aller sortir avec Chaleur là. Ses amis là, ils se sont mis ensemble pour mettre l'argent ensemble pour pouvoir reconquérir Fatim. Donc, dans tous les shows, partout où Fatim se trouve, les gars partaient tourner là-bas pour faire le show, pour mettre l'ami là devant. Maintenant, ça fait que elle est tombée dans le piège et il a pris Hugo là et puis il a bien moussa. Il a bien moussa. Du coup, il a mis accent quoi là même là, accent grave. Et tu sais que c'est grave de la bien. Donc maintenant, c'est ça qui fait. Hey, TikTok, il n'est pas venu. C'est ça qui a fait mal à truc. Chaleur maintenant. Il pleure dans les inbox des gens. Il pleure à l'âme chaude. Tu as vu, Fatim, c'est pas une bronco comme ça. Regarde. Tout conseil, donner aux enfants là. Même le nouveau moro qui a pris Fatim là, elle va le tromper encore demain avec Alassane Keita. Attends, elle est là, FVO. Elle a raison, tchè. Elle est dans le plus vieux métier du monde. Toi aussi. Attends, elle fait capture même. Non, je ne veux pas. Tu parles le nom de la personne. Voilà, il n'a jamais capture. Ils vont voir son compte. Tout le monde te suspecte. On dit tout à chiffre là-bas. Ils vont faire capture et puis tu essaies de fermer le nom de la personne. Et puis on lui. Tu mets toujours à Chaleur. Ils ne sont plus ensemble. Voilà, maintenant pourquoi ils cassent le papier? Ils ne sont plus ensemble. Moi et Ouattara, il dit. Faut monter, pardon. Ouattara, laisse Ouattara, il va pas monter ici. Il était monté tout à l'heure. Ouattara, il va monter. Il faut te calmer. Il va monter. Ouattara va jamais monter. Vous connaissez lui. Il est là, il se moque du live. Il connaît la vérité. Il va monter. Chaleur dans le live. Chaleur qui vient de commenter. Il est là. Il regarde. Ah, lui-même, il rit. Ben. Ouattara, il est jamais prêt pour monter. Dieu, qu'elle oublie. C'est comme moi je peux dire là. Moi je suis sûr que non, que Fatim n'est pas la base. Mais là, Fatim, moi on parle pas de Fatim qui était là. Attendez, lisez commentaire.
Moi, je dis, Chalet a trompé Fatim. Vous dites quoi? Vous qui dites que... Moi, je dis, Chalet l'a trompé. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Quand il a commencé matin, il a dit, ah, il y a Gbaret de Chalet puis Fatim là. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Chalet a trompé Fatim. Ce Chalet est sûr qu'il n'a pas trompé, il n'a qu'à monter. Si c'est tout mon problème qu'elle a posé, ah, Jalabi, je l'ai pas trompé, puis descend. C'est tout. C'est tout ce que moi, je vais entendre. Jalabi, je l'ai pas trompé. Et puis moi-même, je change de sujet. Parce qu'à l'autre, il y a beaucoup de Gbaret, elle est là. Il y a beaucoup de Gbaret. Il y a trop de sujets à traiter, elle est là. Hein? Non. Vous dites non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toi, Jalabi, tu as un comportement. Un vrai sujet, tu ne prends pas ça à un coup Chalet. Mais c'est ce que toi, tu envoies là. On dit que, non, que c'est faux, c'est un chiffre. Non, 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 j'ai parlé tout le monde. Tu veux venir changer notre sujet là. Mada avait dit qu'on t'écoute. Mada a envoyé quelqu'un pour venir demander pardon à Yaka Yaka, Aya Robert et Makoso. Elle devait rentrer en contact avec eux pour s'expliquer. Que, et bien, elle a dit que l'autre fille là, n'a qu'à arrêter de parler d'elle. Que quelle autre fille? Elvish, que Elvish n'a qu'à arrêter de parler d'elle. Qu'elle n'a pas envoyé Elvish, que depuis que Elvish a mis sa bouche dans son affaire là, que c'est devenu compliqué. Faut lire les commentaires, faut lire les commentaires, Jarabi. Ben, grand frère, moi je ne suis pas une menteuse, hein. Lis les commentaires. Ah, donc c'est elle qui a renversé sa veste. Yaka est toujours en live. Yaka est en live. Ok, il m'a est là-bas. Joe, on va voir les rediffusions, mais de toute façon. Ma maison, je suis modérateur même là-bas, il est 20 net, il monte. Je ne suis pas comme tout le monde. Tu vois, non? Donc, on va aller monter là-bas, on va voir si c'est la vérité. Voilà. Non, on va venir faire le bain. On va prendre là-bas tout de suite. En tout cas, Jarabi va monter ceux qui ont donné les points d'avis, ceux qui ont les morts qui ont les papous. Maintenant, après des Chalets là, si Chalet a coulé, il a coulé. Pourquoi vous venez nous faire des chalets? Il a coulé, il a coulé. Il a coulé. Vous êtes tous les amis, la parlez, dites la vérité ici, il a coulé. Est-ce que il a coulé là? C'est un coulé, il a coulé vraiment. Chalet a coulé. Il n'a pas coulé, il n'a pas monté ici. Il va donner un château à Jarabi. Il n'a pas monté. Mais non, c'est comment je ne comprends pas. Qui a fait sortir les photos de la fille en question? Qui a fait sortir les photos là? T'es sûr que c'est ses amis là? C'est ceux qui sont venus dire qu'il n'a pas coulé là, c'est eux qui ont sorti la photo. Mais comment ils ont fait pour avoir la photo à leur possession? Question. La photo a fuité, c'est tout. Sinon, on ne sait pas c'est qui réellement. Tu es sûr? Oui. Là, personne ne l'a épousé. Personne ne l'a marié. Ok? Voilà. Elle est avec Yeshika. L'amour est fini. Elle est partie avec, comment il s'appelle? Chaleur. Ok? Si Chaleur a trompé. Ok, ça, il va aller au laboratoire pour vérifier. Mais si aussi elle est fatiguée de lui, elle sait pas. Elle est jeune. Je suis désolé. Elle est une femme libre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, libérons sa vie. Et puis maintenant. Non, mon vieux. Alex. Excusez-moi. Hein. Et puis maintenant, s'il y a conseil à donner, on donne. Mais qui va donner conseil à qui ici? Attends, Jarabi, venez. On n'est pas pour donner conseil à quelqu'un ici, on n'est pas dans les amis au monde. Venez dire, Fatim est ceci. Jarabi parle comme Berry, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qui n'aime pas l'argent dans la vie là? Qui n'aime pas l'argent? Vous tous qui êtes là, vous, si vous n'avez pas l'argent là, le matin, pourquoi vous vous réveillez pour aller travailler? Je suis désolé. On n'a pas le choix. Mais pas, donc on a besoin d'argent. Donc aimer l'argent, c'est normal. Attends, Dieu, si moi voilà, bien là. C'est de ça qui ça. Mais attends, ne pouvez pas parler. Attends, non, attends, laisse-moi finir de parler. Tu as parlé de m'imiter, s'il te plaît. Parce que vous êtes là, vous êtes venu là. Vous êtes venu, je vais vous dire, que ce soit Chica de Monaco. Chica de Monaco, ça c'est mon gars. Que ce soit Chaleur, je sais, j'adore. Lui aussi, il m'a donné le baron ici. C'est mon gars. Il a coulé où? Il n'a pas coulé où? Libre de partir où elle veut. C'est une belle petite. Tu vois le souci? Est-ce que les gens l'ont empêché de partir? Mais ici, j'ai entendu des gens. Parce que depuis, il était muté. Hein. J'entends. Fatim est la personne qui traite Fatim de Djandou, c'est qu'elle-même, elle est Djentra. La personne qui traite Fatim, c'est que lui-même, il est Djentra. C'est de ça qu'il s'agit. Je me mute. Toi, Alex, tu es coulé comme Chaleur. Attends, vous êtes coulé. Vieux. Jarabi. Mon vieux, avec tout le respect que j'ai pour toi, si on comprend bien, t'es le manager confirmé de Fatim. Non, je te demande. Jarabi. Je te demande, t'es le manager. Ok. Tu n'es pas le manager confirmé de Fatim, non. Et tout ce que. T'as fini de parler, non. Attends, t'as fini de parler, non. Jarabi, t'as fini de parler, non. Faut nous laisser nous parler aussi. Sinon, on veut comprendre bien là, toi, tu es le truc, on appelle ça comment même. Tu es le manager confirmé. Oui, tu es le manager confirmé de. Qui veut parler tout à l'heure? Jarabi, toi, tu es ici, c'est chaud entre Aurélie et puis eux de là-bas, dans le live là-bas. Là. Live de l'influenceuse. Ah, il y a quoi là-bas? Ils sont en plein clash. Ah, il n'a pas dit, ils ne montaient pas là-bas. Face. On va faire le guerre après.
Mais attends, affaire de Eudes, c'est vrai, c'est réel. Il a violé le petit, vraiment. Ah non, on a pris ça sur le métal aussi hier. Elle était en live avec Marco sur son paillet, c'est-à-dire qu'ils ont dit que la personne qui trouve Emmanuel là, il a 500 000. On dit le petit a 15 ans. Non, c'est-à-dire qu'ils sont dans le recherche, quoi. Oui, ils sont dans le recherche, eux. Mais quand Mabu a parlé, Mabu a dit qu'ils étaient beaucoup, hein. Est-ce que c'est lui solo? On dit que, On dit c'est lui avec ses bogos. On dit c'est lui avec ses morgons. Ils sont sortis, ils ont vu le petit, ils ont couru le petit, maintenant dans la voiture. Ils ont dit au petit qui est arrivé à la maison. Dans le live, ils étaient parlé qui arrive à la maison. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Arrivé là-bas, ils ont qui a le petit. Eux tous, ils ont qui a le petit. Ils disent qu'ils ont fait les suçons, tout ça là même. Seigneur. On dit donc qui a le petit. Là, ils ont fait les suçons. Après ça, maintenant, ils ne sait pas s'ils ont laissé le petit. C'est Denis Ramba. Ramba, maintenant, dit Eve son fut battu au Maroc. Lui et puis son bonien. Hein? Mais c'est méchant. En tout cas, si tout ce... Attends, moi je crois pas. Attends, moi je l'ai envoyé, mais il m'a dit qu'il n'a jamais fait ça, que c'est faux. Non, mais Djarabi, si tout ce qui... Si tout ce qui se dit est vrai, là... Ah, ça, c'est... je vais faire la maca, hein. Ah, d'accord. Non, c'est amusant, ça, là. C'est grave, hein. D'accord. Donc, on va renchaîner sur le gbara. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe, Emmanuel? Apparemment, on dit là tout, mais j'aurais appris qu'il allait porter une plainte aussi contre Aurélie Falga et puis certaines personnes qui l'ont accusé de ça. Alors là, c'est gâté si l'âge d'influenceur là-bas est dans la barre de recherche. Non, non, laissez ça là. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? On va écouter déjà en même temps ou bien? Ma chérie, Aminata, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Bon, je vais aller chercher Emmanuel, je vais venir s'expliquer s'il vient. On vous écoute, ceux qui viennent rentrer, on vous écoute. Aminata. On vous écoute, c'est l'histoire d'Emmanuel Eudes là. Qu'est-ce que tu en penses sur cette histoire-là, si elle est vraiment vraie? Qu'est-ce que tu en penses? Vrai. Moi, je pense que Emmanuel Eudes, c'est un gros PD qui refuse de s'afficher. Non, faut qu'on me fasse un mot, hein. Faut qu'on me fasse un mot, s'il te plaît. Si, viens tout à l'heure, pardonnez. Faut qu'on me fasse un mot, on t'écoute, hein. Qui veut parler d'abord? Aminata, on t'écoute. Aminata, tu t'en vas pour rien. Eudes va venir ici tout à l'heure. Eudes va venir ici. J'appelle ta place. Faut la laisser ici, c'est pas pour causer la carte descendre. Vous n'êtes pas venu faire cause conversation ici. Ok, Aïchou, tu es là. Ceux qui veulent rentrer, on vous donne la parole. On dit qu'il a tenté un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai écouté le live quand ma course est montée. Il y a ma bio qui disait à ma course que les jeunes là, ils étaient beaucoup, c'était pas Emmanuel Eudes tout seul, hein. Ils étaient beaucoup, qu'ils ont fafouillassé plus de petits là. Ils ont fafouillassé jusqu'à petit, il a été couché là-bas, ils l'ont laissé en mort cérébral, ils sont partis. Donc, on sait pas si c'est vrai ou pas. Ma bio dit que c'est vrai. Peut-être elle a des preuves. Donc, si on peut taguer ma bio pour qu'elle vienne nous expliquer ici, moi je sais pas. Si c'est vrai en tout cas, c'est que la Côte d'Ivoire c'est devenu autre chose. Parce que les Wubi là, ils sont devenus trop beaucoup en Côte d'Ivoire maintenant. Hein? Ils s'affichent pas, ils sont pas punis. Hein? Si on pouvait voter, nous. Eudes arrive dans mon direct ici. Attendez, Emmanuel, Eudes arrive dans mon direct. On t'écoute. Faut parler, on t'écoute. Mais parce que ils vont dire, ces gens de trucs là, à Général Makosso, si c'est faux, je pense pas. Parce que Mabio a dit qu'elle a besoin de soutien de Makosso dans cette histoire. Qu'il y a un petit qui a été fafiassé, son cul, elle a coulé. Coulé comme le chaleur. Donc là, c'est pas bon à l'aise. Dans ça, encore, la chaleur a pris balle perdue. Hé, hey, Aïssou. Quelqu'un qui a coulé comme ça, si le cul, elle a coulé aussi, c'est même coulement là. Comme à l'est aussi qui est coulé, c'est la même chose là. Donc là, si c'est vrai, franchement, que les autorités compétentes, c'est là pour prendre une mesure dans cette histoire là. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. À l'est le coulé, tu peux pas. Moi, c'est comme ça. Attends, moi, je suis pas coulé. Pour l'instant, moi, je peux pas me mentir. Je peux pas dire qu'il a fait ça. Je peux pas dire qu'il a fait ça. Ok, on passe à l'est. C'est toi, tu parles, mais tu parles. Ok, je crois, on va passer la parole à Thierry. Ta gueule. Thierry, il arrive. Thierry. Il t'a dit, il arrive, non, il y a quoi même? Tiens. Quand merci, il va venir, il va commencer à parler, ça peut l'interrompre comme cela. On vous écoute, hein. Merci, Alès. En fait, comme Djarabi a dit tout à l'heure, là, moi, je peux pas dire non, qui l'a fait, qui n'a pas fait. On n'était pas là-bas, en fait. Parce que ça, c'est un délit qui est grave, hein. C'est quoi, c'est très grave, hein. Donc, ça. C'est vrai, il a sa nature, c'est vrai, il a son comportement. Mais quand tu n'as pas vu quelque chose là, tu peux pas affirmer à 100%. Moi, j'étais dans l'air tout à l'heure, quand j'ai quitté, j'étais dans l'air tout à l'heure, où j'étais là avec, toi, tu se discutes avec Aurélie Fatiga, jusqu'à même, il est descendu. Moi, je préfère qu'il vienne ici lui-même. Et il donne sa version des faits. Là, au moins, il dit, il allait sur le convocation contre quelqu'un. Bon, on sait pas c'est contre qui. Si c'est contre Aurélie, ou c'est contre le petit qui a menti celui-là, on sait pas. Donc, moi, je préfère qu'il monte ici, qu'il vienne dire
effectivement, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Là, nous tous, on va l'entendre. Mais juger une personne sur le fait que quelqu'un est venu dire c'est comme ci, c'est comme ça. Par exemple, lui, avec Aurélie, là, il y a une discours entre eux depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Moi, je suis pas de personne, hein, mais c'est ce que je vois, je dis. Donc, mieux vaut attendre qu'ils viennent, et puis ensemble, là, on va attendre, nous tous, de nos oreilles, ce qu'il a dit là, on va voir si c'est vrai ou c'est faux. Comme Madel Sauté avait été venu mentir devant nous tous ici là, nous on a dit c'est faux. Donc lui aussi par ses dits là, on va savoir si c'est vrai ou c'est faux. Donc c'est un peu ça. Ok, ok, ok le frère. En tout cas, comme tu dis là, d'abord la personne qui accuse, c'est la personne même qui envoie ses preuves, qui dit, qui mène ses preuves, qui supporte son accusation. Maintenant, on cite le nom d'Aurélie dans cette histoire-là, qui prétend qu'elle aurait des preuves, parce que c'est des faits graves. Faut pas qu'on s'amuse avec ça, hein. C'est des faits graves, c'est criminel, et ça, ça envoie en prison pour pas mal d'années. Faut pas qu'on se mente ici. Donc, accuser quelqu'un de faits comme ça, donc, il faudrait que ces gens qui accusent là aussi puissent avoir les preuves. Donc, moi, je voulais demander à Aurélie si elle a des preuves, si elle entend, elle nous entend, si elle est quelque part, envoyez-lui ce live, le live de Djarabi. A-t-elle des preuves palpables? Ça, c'est le premier point. Voilà. Ah, mais s'ils ont pu expliquer à Makoso, Makoso dit ça à cause de ça même là. Il se pourrait de lui poser sa candidature pour être président de la Côte d'Ivoire pour pouvoir mettre les Wubi là en prison 5 ans, 5 ans. C'est l'information qui est là. Attendez, il y a un monsieur qui l'a expliqué là. Ali a fugué, ça peut faire plus de mois. Ses parents le cherchent, c'est très bien. Donc si eux veulent vraiment voir le petit en question pour pouvoir tout coordonner, il n'a qu'à venir demain. Mais il ne va pas venir, nous même pas le chercher, c'est pas un problème. Là, c'est pas un souci. Toi qui disais que je mentais sur toi ici, voilà les gens. Attends, est-ce que c'est pas le problème qui s'est passé il y a depuis longtemps là? Ou est-ce qu'ils sont partis dans résidence, puis ils avaient fait un discours de ça? C'est pas ça par hasard? Ben là, moi, je comprends plus rien. Ben, il y avait un discours entre eux dans une résidence, et puis on dit, il y a un petit qui est parti, je sais pas, il y a eu quoi, attends. Est-ce que c'est pas ça qui est le discours? Effectivement, est-ce que c'est la même histoire? C'est le discours, parce qu'on dit, ça fait un mois ou bien, je sais pas combien de mois là. Qu'il y a un autre Moro qui a fui. Non, c'est pas le même discours, ça c'est nouveau, c'est récent. Ça c'est récent, quoi. Oui, c'est récent. L'autre discours, t'as fait de l'aller, si t'as fait de l'aller d'Emmanuel. Ça là, c'est récent, hein. Ils ont fafiassé au couille d'enfants des gens de 15 ans. Enfants de 15 ans. Dis-moi, Aïchou, est-ce que le petit en question de 15 ans, il est monté dans le live? Il n'est pas monté dans le live. Il a dit c'est Makoso, Aurélie et Mabio qui étaient en live. Attendez, Emmanuel, elle a parlé, on écoute. Voilà la convocation ici, c'est quoi qui a écrit dessus? C'est pas Oubinoa qui est là. Oui, c'est Emmanuel qui est là. Depuis pourtant les Simon Tempara, tu as même mouvé la convocation pour toi. Vous avez pris ma camarade, vous l'avez enfermé, non? Vous avez fait du chantage pour que vous laissez ma plainte, pour que vous libérez ma copine, non? Toi, tu te lèves et toi, tu dois pas convocer. Qui m'a touché le pied? Tu n'as pas répondu. Quand je suis allé à la tu m'as touché le pied. Je vais pas te la guerre, c'est là. Moi, pour toi, là, tu ne sais pas, tu réponds pas à toutes mes convocations. Tu n'as pas embêté là-bas. Voyez les convocations. Affaire des PDA là, c'est grave maintenant, hein? Hein? Moi, mais je sais pas quoi dire dans cette histoire là. En tout cas, quel aura le plus de capital? Nous, on va faire nos guerres là-dessus demain. Pas là, ici à Bassoudi. Qui veut parler? On vous écoute. C'est chaud même. Plus qu'à Bassoudi, ma chère Djarabi. Non, je crois pas ici. Ok, mais voilà, bilay. Parce que c'est, hein? Ce qu'on entend là, c'est dingue. Moi, tout ce que je vais leur dire là, les conneries sont dedans, leur nouveau baisse qu'ils veulent soulever là pour venir éteindre un baisse de Madala. Moi, je leur demande pardon. Hein. Je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à partir avec les baisse là très loin. Parce que baisse de Madala, on n'a pas confiné avec ça. Madala est venu demander pardon. On veut écouter Madala une seconde fois avec son chion de Anango, sur sa tête. Faut pas qu'ils vont venir éteindre un baisse de Madala. Hein. Les Wubi, les cuir, la couleur, couleur, à cause de Abidjan sans caca partout. Ils n'ont qu'à nous excuser. Abidjan sans caca, comment? Ils n'ont qu'à nous excuser. Aujourd'hui, Abidjan sort partout. Partout, tu partout. Ce qu'on a entendu là, si c'est vraiment vrai là, c'est que c'est grave, hein. Parce que à la lue où vont les choses là, on ne sait même plus à qui faire confiance. De deux, savoir marcher avec. Je sais pas comment il va dire, mais on doit savoir avec qui on doit marcher. Parce que avec ce que moi j'ai entendu tout à l'heure là, vraiment, c'est mélangé, quoi. C'est mélangé. S'il sait vraiment qu'il a fait, on peut pas affirmer. Moi, en tout cas, c'est ce qu'il a entendu. Mais s'il sait vraiment qu'il a fait, qu'il essaye d'aller directement où il y a lieu pour essayer de régler ce problème-là. Sinon, à condition, il va faire au moins 5 ans de prison. Ça, c'est sûr.
n'y a pas de demi-mesure dedans. Sincèrement, si les faits sont avérés, il faudrait que la rigueur de la loi s'applique. Hein. Parce qu'aucune personne ne peut tolérer ça. Un gamin de 15 ans, quelle qu'il soit son orientation, je ne sais pas, mais le fait que seulement il soit mineur et qu'il y aurait eu viol, c'est-à-dire il n'y a pas son consentement, mais on s'en fout. À cette limite, même la minorité déjà, là même, ça, il y a beaucoup de choses dedans. Et si c'est vraiment avéré, c'est lourd. C'est lourd. Même un adulte que tu abuses de lui, malgré son orientation sexuelle, que tu abuses de lui, c'est un délit. C'est un délit. Voilà. Et je sais que quand le général Makosso, en tout cas, si... Il y a beaucoup de trucs. Ce Pétlé va regretter, franchement. Il va regretter si beaucoup de trucs. Djarabi, il y a un avec garçon princesse, ça. Il veut parler. Djarabi, oui, garçon princesse, on t'écoute. Djarabi. Oui. Il a fait un enregistrement, il a envoyé ça, il n'arrive pas à t'envoyer. Va sur Snap. On va parler d'abord. Garçon princesse, on t'écoute après. Va sur Snap, la pitole. Je suis étonné. Tapoter, influencer, attends un peu. On n'a pas encore atteint le quota. On est à 4900 personnes. Il faut qu'on arrive à 5000 personnes connectées. Tapoter. Emmanuel, il faut revenir. Hein. Il est descendu, Jarvi. C'est quoi tout ça? C'est quoi on va faire là? Attendez. Ah, Emmanuel est là. Emmanuel, ah, là, okay. Si tu es là, il faut monter. Fais ta demande, tu vas monter. Nous, moi, je vais te laisser parler parce que moi, je crois pas. Si tu as fait ça vraiment là, c'est que vraiment, tu es allé très loin. Vrai là. En tout cas, Emmanuel, viens nous rassurer, s'il te plaît. Ah, parce que moi-même, ouais, c'est là-même là. Je crois pas. Il s'est assis, il t'a envoyé un message pour te dire si tu as fait ça, c'est que vraiment. Ah, tu as gâché ta vie, t'es. Donc, Emmanuel même est là. Si tu veux parler là, tu vas parler, personne ne va t'interrompre. Parce que cette histoire-là, tu connais les Ivoiriens, s'ils ont chargé là, tu auras des problèmes même. Si vraiment tu as fait ça à cet enfant, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je n'ai pas dit que tu as fait, mais c'est ce que tu vas nous dire là, si ça va nous convaincre. Parce que de toute façon, ça a commencé là. Alors là, ça, c'est Buzz de Mada est mort. Ça, seulement, soyez-en sûr que Buzz de Mada là, c'est fini. Voilà, parce que l'histoire est passée il y a très très longtemps. On n'a pas violé quelqu'un. Si elle violait quelqu'un. Faut coder les mots, faut coder. Tu dis pas, faut coder les mots. J'avais dit que c'était cette liste ancienne qui est revenue. On t'a dit que c'est vous, Alès. On vous écoute, oui. Je ne sais pas comment il a dit. Mais attends. Emmanuel, attends d'abord, attends. Moi, je veux que la fausse soit, faut dire la vérité. Si les gens peuvent demander pardon, mais pour trouver une solution, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre résidence là-bas? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que c'est venu sur les réseaux là. Si Makosso même dit, va se charger de ça là. Ah, mon petit, c'est que là, c'est chaud, hein. Moi, si je te connais, je sais que tu ne peux pas faire ça. Mais là, moi, si je suis à ta place là, c'est mieux, je vais dire la vérité pour dire, ah, voici ce qui s'est passé réellement dans la résidence. Parce qu'actuellement, là, c'est toi qui as payé les pots cassés. On ne voit pas les autres, on dit, il y a d'autres confus. On ne voit pas d'autres personnes. Tu dis la vérité là, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. Même si les gens vont t'insulter, ils vont t'insulter, mais là, c'est mieux, là, faut dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette résidence là? Parce que tout est parti de là où ton portable est perdu. C'est là-bas que tout a commencé. Pourquoi c'est revenu encore aujourd'hui? Pourquoi l'histoire est revenue aujourd'hui? Vu qu'on dit ici que, donc, que c'est le frère du petit mec qui a porté une plainte contre toi. C'est fou, il n'y a pas les... Que... Non, mais il faut parler, on te considère. Convocation de Aurélien a montré aux gens là. Hein? C'est elle-même ta convocation qu'on appelle discours depuis combien d'années là. Convocation, elle va t'y prendre pour m'envoyer là. C'est la même convocation qui est de sa main. Si moi j'ai violé quelqu'un là, elle connaît chez moi. Aurélien, elle connaît chez moi. Tout ce. C'est faux, faux, archi faux. Rien de tout ça là est vrai. Rien n'est réel dedans. Les noms qui sont là, c'était là, ma faux. À part le nom d'Ivan là, qui est un vrai nom, c'est le nom de mon ami, elle, qui est ma chef. Maintenant, mais il y a un autre gars là-bas qui dit lui, la portée plainte, que c'est là, que la plainte de Aurélie Fadia n'a rien à voir, lui, sa plainte. Donc, lui, sa plainte est quittée où? Il n'a qu'à monter sa plainte. Emmanuel, faut pas t'être amusé, c'est sérieux, cette histoire-là. Hein? Si la convocation, c'est écrit 5 août. Même moi, il n'est pas reçu de convocation. Tu dis que n'a pas reçu de convocation, mais on dit ici que vous avez fafouillassé un petit. Bon, si c'est le petit qui était dans la résidence avec vous l'autre jour qu'on a fait le guerre, si c'est lui là, là je sais pas. Mais pourquoi aujourd'hui ça s'est ressorti? Bon, il a parlé un peu là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, ne vous acharnez pas sur lui. On va lui laisser le bénéfice du doute. Si on va le laisser parler, il va nous passer parce qu'il n'a pas dit la vérité. Il nous a pas encore bien parlé. Non, attends, c'est genre crier sur la scène que c'est pas la personne. Si vous criez, il va partir. On va laisser. Attendez, moi j'ai une question. Si on fait la vérité là, on a qu'à lui parler un peu pour qu'il n'a qu'à dire la vérité. Parce que s'il a fait ça, moi-même là, je ne suis pas d'accord. Il va payer pour ce qu'il a fait. S'il a vraiment fait son pétain, il va payer. Parce qu'on ne va pas les laisser détruire la vie des gens.
S'il a vraiment fait ça, là, c'est que là, tu es dans la merde de mon frère. Il est parti. Moi, je voulais savoir. Il va revenir, on l'appelle, c'est pour ça. Jarabi, l'histoire de la résidence, si je me souviens, est-ce qu'ils étaient avec quelqu'un de mineur là-bas? Bon, là, je sais pas. Ok. Oui, ils étaient avec un petit. Peut-être c'est pas Emmanuel Heut. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont fait ça dans la résidence. Lui, il était là-bas. Je sais pas, mais c'est qui est sûr? Il y a quelque chose qui s'est passé. Sinon, ils vont pas venir taguer Makoso. C'est une histoire comme ça pour dire qu'ils ont besoin de son soutien. Je pense pas. Ils n'ont pas venu nous dire la vérité. Les bêtises, ils sont dedans. Là, faut pas qu'ils vont ramener les enfants des gens dedans. Ils n'ont pas venu nous dire la vérité. On dit que c'est un enfant mineur. On dit que c'est un mineur qui a été violé. Vous aussi. On dit que c'est un mineur qui a été fafiacé. Tu étais viral, il faut camoufler tes mots, pardon. Non, mais on dit que c'est un mineur qui a été fafiacé. On n'a qu'à parler de ça. Emmanuel même est monté tout de suite, il nous a dit quoi de concret? Il n'a qu'à venir bien nous parler. Et on n'a pas bien compris ce qu'il a dit. Moi, il n'a rien compris. Non, mais je pense que son téléphone, il a reçu un appel. Il va revenir. T'es fini. Mais il n'a pas encore venu. Il dit, il ne sait pas. L'histoire qui s'est passée dans la résidence, en fait, de son portable, il y a longtemps. Mais lui, il ne sait pas pourquoi l'histoire est revenue sur la toile. Donc lui-même, il est étonné. C'est aujourd'hui, lui, il a appris qu'on dit, il a fait tant à telle personne. Est-ce qu'on se comprend un peu? Non, mais si il allait, il était quelque part où il y a eu une situation qui s'est passée, en définitive, si la victime, bon, la prétendue victime, hein, on va dire, décide de parler ou de porter plainte, c'est tous ceux qui étaient dans ce coin-là qui vont répondre. Donc, c'est normal que quand une affaire ressurgisse, ben... Dis tous ceux qui étaient dans ouais. Je peux parler. Oui, on t'écoute. Cette histoire-là, je ne suis pas venue pour prendre parti pour quelqu'un parce que je ne le connais pas. Mais le frère du petit qui a parlé dans le live l'autre côté là-bas, là, façon le gars là il a parlé, il a fini de mélanger ce côté là il vient pour dire que non, lui le gars dit qu'il a donné la plainte à son ami du nom de Ivan que mais lui n'a pas reçu de plainte, que donc lui n'a pas reçu de plainte là, lui pas les reconnaître une plainte, que son ami lui a jamais dit que non, ah, on m'a donné plainte en ton nom. Cette affaire est louche, il cache quelque chose. Moi je suis pas en train de prendre défense pour quelqu'un, moi mais il veut qu'il dise la vérité. Ben, affaire où il y a les autorités qui veulent mettre leurs mains dedans là. On sait qu'ici, sur les réseaux, là, ils sont prêts à tout pour se descendre. Mais là, c'est toi qui sais que tu te reproches rien. C'est le moment de t'asseoir pour parler normalement. Ou bien tu te rends même à la police pour dire, ah, voilà, je me reprochais, j'étais pas là-bas, voilà. On a l'impression que, d'une part, il n'était pas là-bas, mais il veut protéger ses amis. On sait pas. Non, mais attention là, chérie. Je vais te dire pourquoi. Administrativement, il est dans ses droits. S'il n'a pas reçu, comme il le dit, de plainte, voilà. De papier de convocation qui dit qu'on le convoque comme il le dit, il est dans ses droits pour se rendre à la police. Il va pas se rendre à la police comme ça pour dire, il y a quelqu'un qui aurait porté plainte comme non, ça marche pas comme ça. Il reçoit sa conversation, sa convocation, il est convoqué et il se présente. C'est comme ça. Donc ça là, ça faut laisser. Maintenant, du fait que sur les réseaux, et c'est un gars des réseaux, on entend des choses comme ça, il faudrait qu'il parle clairement parce que Jarabi lui a posé des questions claires. Il faut qu'il parle clairement. Voilà. Ah! Ok, qui veut parler? On vous écoute. Jarabi. Ah, vous n'êtes pas venu pour dormir, on vous écoute, oui, on t'écoute. Jarabi, Emmanuel Heut, il est coupable. Parce qu'une personne qui n'est pas coupable. Les choses commencent, tout le monde est levé. Tous les gens sont debout contre toi, sont dit, parce que de la façon dont il entend de dire que lui, il n'a pas reçu. Jarabi, il va venir chercher chez lui. Là. Non, attends, il va parler d'abord. Si, vraiment, il est coupable. Est-ce qu'elle est morte de chez lui? Personne ne peut battre les gens. Non, attendez, va fini. On peut pas c'est lui-même. Il est sûr de ce qu'il est en train de dire. On peut aller le chercher chez lui. Parce qu'il est sûr de ce que lui, il est en train de voter, lui, Emmanuel Heut. On peut aller le chercher. Pourquoi on ne peut pas aller le chercher? Lui, il n'a qu'à faire très attention. Il n'a qu'à venir nous dire réellement ce qui s'est passé. Si on peut essayer de demander pardon. Donc, s'il n'est pas coupable, pourquoi tu bug? Tu peux bien parler, nous, on va comprendre, mais tu parles pas bien. Tu es là, tu dindes, on te pose question, tu sautes ici. C'est qu'on ne peut pas dire ça, c'est là-bas. C'est toi qui dois retenir les choses. Pourquoi? Il n'a qu'à venir bien nous expliquer, nous, on va comprendre. Et qu'on regarde l'affaire, il est coupable. Il est coupable. Il n'a qu'à venir nous expliquer. On attend sa version. Ok, c'est des filles scientifiques, on t'écoute. Ta voix, elle a depuis un moment dit pas mon oui, Aïe, je te voulais parler, on t'écoute. Oui, moi je dis. Oui. Le Dieu que tu nous as fait écouter là, Aurélie Fatiga, elle disait, tu dis que tu n'as pas reçu de plainte là. C'est pas ton nom qui est marqué ici. Forcément, il a reçu ta plainte. Forcément, elle a reçu. Sinon, pourquoi Aurélie va venir nous montrer preuve pour dire que. Achou, tu entends de confirmer ici que Aurélie a la copie de la convocation de Emmanuel Heut. Je ne confirme pas. Je t'ai dit que l'audio qu'on a écouté tout de suite là, Aurélie disait c'est pas ton nom qui est ici, c'est pas la plainte que. C'est de tout élément, ils ont donné convocation. Il ne peut pas dire que convocation. Lui et puis Aurélie, il a dit ça, c'est pas ça. Il y a plus de un mois. Et je suis désolée.
Donc tout ce qu'il entend de raconter, c'est faux. Il n'a qu'à le reprendre à ses actes, c'est tout ce qu'on veut. Ou bien il n'a qu'à bien nous expliquer. C'est-à-dire, ce qu'il entend de faire, c'est faux. On ne peut pas prendre faux convocation. Jarabi, on dit sur la convocation, c'est 5 août qu'ils ont mis. Ils disent 5 août, c'est tout dernièrement. 5 août. C'est tout dernièrement de la convocation. C'est tout dernièrement. Donc Jarabi, il sait qu'il y a une plainte de contre lui là-bas. Oui. Même en question, d'une part, il est un peu coupable. Il est coupable, il ne veut pas dire il est coupable. Attendez, quand on reçoit une convocation, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Oui, il est un peu coupable. Ça veut dire qu'on veut t'entendre, on veut t'écouter. C'est ça, c'est ça. Attends-lui sa version, parce que c'est ça la fille, elle a dit, elle a reçu une convocation, il n'a qu'à le répondre là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a son nom là-bas. Ce n'est pas lui qu'ils ont convoqué, ils ont convoqué plusieurs personnes. Mais pourquoi lui ne va pas répondre, et puis il est là, il nous fait jouer des tours. On est fatigué, on veut savoir la vérité. Et mon œuvre va te rendre à la police, ça va vous aller régler votre histoire. On veut savoir tout. Moi, je dis qu'il y a, un truc en bas de cette histoire-là. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, Alex m'a dit, peut-être il est en train de cacher quelque chose, ou bien peut-être il est en train de prendre la défense de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il veut protéger quelqu'un dans cette histoire. Il vient. Il veut protéger quelqu'un dans cette histoire-là pour ne pas que peut-être l'affaire aille loin. Je sais pas si tu es toujours dans le live. Hein. Moi, si tu m'entends, mais venir se mettre sur les réseaux pour dire non, c'est pas ma convocation, c'est une ancienne convocation, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Là. Nous, on en a marre. Moi, je te demande pardon. On t'aime bien. Moi, je t'aime bien à cause de tes différents TikTok que tu fais. L'autre côté, là, moi, ça m'intéresse pas. Mais ce que moi, je veux te dire, va directement à la police. Ils t'ont montré la convocation. Tu te lèves, tu prends, tu vas répondre. Et puis, on va voir comment la faire voir. Si vraiment vous avez fait ce qu'on dit là, comme Jarabi a dit là, on va se mettre ici, on va demander pardon. C'est vrai que c'est pas un bon truc. Le fait de gifler des gens, c'est vrai que c'est pas un bon truc. Mais normalement, là, la loi condamne ça. Au plateau, là, il y a une dame là-bas, là, elle, là, c'est son travail. Elle est là uniquement que pour ça. C'est les 5 ans, les 6 ans. Si tu n'as pas la chance, c'est les 10 ans de prison. Tu es encore jeune, tu as toute l'avenir devant toi. Si tu es là pour protéger quelqu'un, là, va te libérer, ils vont l'attraper la personne. Si tu étais dans le coup aussi, cherchez à trouver une solution à ce problème. Parce que où l'affaire là va, là, si vraiment ce que tu as fait là, c'est ça, là, tu vas gâter ta vie, hein. Tu vas gâter beaucoup ta vie. Donc c'est un peu ça. Ok, il y a quand certaines personnes, ceux qui ont parlé avant descendre. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Champion, on t'écoute. Coucou, Jarabi, ça va bien? Oui, ça va. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir. D'abord, voilà, quand tu as fait ton live, j'ai vu, je suis monté. Oui, que tu es ma soeur. En fait, ce que je voulais dire, il faut dire que ce sont des connaissances. Parce que personnellement, moi, j'ai reçu aussi un appel depuis, je peux dire, depuis hier, à 18h. Je ne te reproche rien. Mais tu vois, tu réponds. Ce que tu vas dire et ce que les autres ont déjà dit de ton dos, parce que c'est ça qui a fait que tu as envoyé de la convocation. Bien sûr, c'est ça. Mm-hmm. Quand tu réponds, quand tu finis de répondre, parce que d'abord, il y a la loi qui dit qu'on a la gendarmerie qui est là, on a la police. Mais est-ce qu'ils connaissent le commissaire de comme on appelle, de la justice? À la justice, il y a un commissaire. Lorsque vous ne répondez pas trop à votre plainte, arrivé à certains moments, si eux, ils connaissent bien les bras longs, ils connaissent bien les trucs, ils peuvent aller au plateau. Tu vois un peu, ils peuvent aller au plateau et aller prendre une convocation contre toi. Là-bas, il n'y a pas de terre à terre pour dire non, trouvez-moi ici, je suis à Yopougon, je suis dans tel côté, venez me chercher. Mm-hmm. Ils n'ont pas le temps pour ça. D'abord, ton numéro va les communiquer et ils vont te prendre d'un flagrant délit autrement que tu ne peux pas t'imaginer. Et arrivé là-bas, tu n'as plus rien à dire. Ça veut dire, vous partez directement devant le procureur pour mettre les choses en place. Souvent, ils te disent, cherchez un avocat. Là-bas, il n'y a plus d'explication. Mm-hmm. Parce qu'arrivé là-bas, tu n'as plus le droit à t'expliquer. Vu qu'on a vu la police pour régler, on a vu la gendarmerie pour régler, tu ne peux pas venir. Donc, ça fait qu'arrivé chez lui, quand on arrive chez le commissaire de la justice, c'est comme si toi, tu n'as plus rien à dire. Comme si c'est vrai tout ce que les gens ont dit sur toi, ils t'ont accusé. Tu vois un peu. Donc, moi, le seul conseil que je peux lui dire, ou même je peux lui donner, le seul conseil que je peux lui donner, s'il est très malin, mais s'il est très intelligent, vu qu'il s'il se dit que non, il n'est pas dedans, il se lève, il va y répondre à la convocation. Parce que violer, d'abord, les cas de viol, nous, personnellement, je ne joue pas avec ça en tant que les ambassadrices. Parce que moi, en tant que femme, j'étais violée. Là, un homme, tu as violé. En tant qu'un homme, on le dit, oui, que tu as fait ça. Mais là, d'abord, ça te cause. Parce que nous, personnellement, on peut donner circuit. On peut donner le numéro de la personne qui te prend sans discussion, puis ils vont t'enfermer. On peut même appeler pour te dire, voilà, les jeunes, celui qui dit son petit frère était violé, il rentre en contact avec moi, j'attrape son bras, je dis, voilà. Mais comme on n'est pas à ce stade-là, il faut dire, c'est de trouver toutes les solutions ensemble. Et nous, moi, je suis pas là pour fermer au fond de quelqu'un, pour faire de n'importe quoi. Parce que, en tout cas, des gens qui me connaissent mieux savent d'où je suis quitté. Comme en tout cas, j'ai lutté aussi pour arriver à ma carrière. Et en tant qu'athlète. Mais vu que ça parle des moments de viol, nous, aux côtés des viols, on joue pas. Donc, s'il est malin,
S'il est très malin, il va y répondre calmement et il règle ça. Ils vont régler ça entre eux. Vu qu'il va répondre, s'il cache aussi, s'il est en train de couvrir quelqu'un, qu'il essaie de pouvoir s'enlever dedans pour ne pas avoir des problèmes. Parce que des moments de viol, on ne joue pas avec ça. Peut-être femme-même, on ne joue pas. C'est pardon, pas pour gâteaux, ça a bloqué le live, championne. Il faut voilà. Dire V-I-O-L. D'accord, non, voilà, j'ai compris le sujet. Donc, ce que je voulais dire, ma soeur, Jérabi, vu que j'ai vu que tu t'en as dit, ça, c'est le live de ma soeur. Il n'y a pas de problème pour venir m'exprimer. Il y a des personnes qui m'ont tagué. Il y a des personnes, tout. Je ne sais pas le temps pour ça. Mais pour dire que c'est ma soeur avec ses abonnés, ça, c'est, voilà, c'est pas quand même mauvais. De venir quand même aussi donner des idées, voilà, c'est rien. Mais tu as raison, ce que tu as dit là, tu as raison. Maintenant, toi, le problème, quand c'est toi, tu en penses, toi, tu vois que c'est excessif, il parle pas. Bon. Voilà. Là, on n'a pas de preuve pour dire l'a fait. C'est, voilà. C'est même le pas problème, même. En tant que moi, j'étais tout à l'heure avec le Tory dans un live avec l'influenceur, j'étais tout à l'heure dans le live, tout le temps. Là, il me fait monter, mais j'ai voulu quand même me sentir à l'aise pour monter dans ton live, c'est encore mieux. Voilà, sinon, j'étais tout à l'heure dans le live d'influenceur, je suis sur les réseaux sociaux ici. Ceux qui devaient apporter leur soutien, qui devaient plaider pour qu'on les libère, les gens sont là. Donc, si on emmène une convocation, vraiment de grâce. Qu'ils partent répondre et puis vont trouver une solution à ça. Et puis, comment ils vont trouver la solution? Dieu seul, ça y est, entre ses mains. Parce que s'ils veulent là, rester là pour dire, je suis dans telle commune, je suis ici, voici ma position. Voilà. D'abord, tu donnes ta position, c'est déjà un mauvais signe. Tu donnes ta position, d'abord, dans les affaires, dans les business, la plupart des personnes ne connaissent pas chez eux. On ne connaît pas réellement là où ils habitent, là où ils vivent, réellement chez eux, même c'est rare de connaître chez eux. Même pour venir te donner un rendez-vous, ils peuvent te prendre peut-être dans les petits coins en fait, mais chez eux même c'est rare. Quelqu'un qui est dans les affaires, qui est dans les vrais business, pour que tu connaisses chez lui, c'est rare. Même les influenceurs, la plupart de c'est rare, mais si toi tu dis non, qu'ils n'ont qu'à venir chez toi, tu es ici, d'abord c'est très enfantin, et puis il n'y a pas d'intelligence à ça. Donc s'ils si peuvent vraiment nous écouter, nous tous, ce qui est important, on veut tellement son bien que, même s'il a fait de n'importe quoi, on lui dit, d'arranger pour aller répondre. S'il va répondre, faut pas avoir peur pour dire non, il va m'enfermer tout à l'heure si je vais, non. T'es donné une convocation, on veut aussi t'écouter. Vu que les premières personnes étaient déjà sur les lieux, se sont exprimées, c'est pourquoi on t'a donné une convocation. Donc toi aussi, viens, tu vas nous parler, on va t'écouter. C'est ce que ça veut dire. Sinon, bras long là, pour tout à l'heure venir le chercher là où il est là. Ça, c'est un petit point à la minute, à la seconde. C'est rien. Bon, moi, il m'a dit que sa maman dit qu'il ne faut plus monter dans les lives. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Sa maman dit qu'il ne faut plus monter dans les lives. Quand lui-même, il dit, est-ce qu'il trouve ça normal? Toi, tu dis, ta maman dit de ne pas monter dans les lives. Pardon, nous, on va te trouver dans les lives de l'influenceur. On t'a trouvé dans les lives de l'influenceur. Et ce que tu as dit, on a tout enregistré. Parce que d'abord, il est agressif, en fait, avec des injures. Vous êtes les preuves, ils ont donné tout à chose, à influenceuses. Même eux-mêmes, pendant qu'ils étaient en train de commettre l'acte, ils ont filmé. Donc, tous les films sont avec influenceuses actuellement. C'est quand ils ont dit qu'ils vont montrer maintenant les preuves, c'est là qu'il a fui, il est descendu. Hein? Voilà. Je suis choqué. Donc, actuellement, si Champion est là, elle n'a qu'à chercher M. Taïro privé. Il va rentrer en contact direct avec un membre de mon staff. C'est même, voilà. Non, attends. Elle peut pas attendre. Qui n'a qu'à rentrer à attendre? Si Emmanuel doit nous expliquer d'abord. Si lui veut que les gens ont dit, il y a quelqu'un qui peut l'aider, il n'a qu'à nous dire la vérité. C'est tout. Okay. Parce que il est guindé. Il entend de dire, je suis dans tel coin, j'habite dans tel coin, venez me chercher. Je me reconnais pas. Mais c'est ce que je viens de dire même. On est ensemble. Mais c'était toi. Lyon, rapidement. Est-ce que, demandez à 2.0 là-bas, dans les vidéos là, est-ce qu'on voit Emmanuel Eudes qui est en train de faire le truc là-bas au petit? Est-ce que Emmanuel Eudes est dedans? Attends, côté vidéo là, c'est doyé, je crois pas à ça d'abord. Donc, à laisser ça. On dit, il a fait ça là. On dit, le petit, il a fait ça là. S'il a vraiment fait ça là, en tout cas, c'est pas bon pour lui. Voilà, parce que moi, je l'ai écrit. Il a dit, faut venir dans mon direct, il y a la championne qui a ensuite, tu veux parler avec tout et tout là. Moi, il m'a dit que non, que sa maman, il faut plus voir. Les amis, on se connaît. Tout le monde veut trouver des solutions. Donc, la seule chose, c'est d'aller répondre. Quand tu ne te reproches rien. Ça, c'est vrai, ici, d'accord, toi, il n'a qu'à les répondre. Voilà. Il n'a qu'à les répondre. Quand tu ne te réponds, comme Alès sentait les dire, Alès, s'il ne se reproche rien, rien devant Dieu, devant tout ce qu'on cherche dans notre vie, il n'a qu'à les répondre. Quand il répond, là, c'est fini. Quand il va, selon son explication là-bas, et puis là-bas, il faut tenir compte que quand on te pose une question, il faut être sûr de ce que tu dis, il faut pas mélanger. Ah, merci. Il faut pas les raconter beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire que quand tu dis ça tout à l'heure, ils ont noté, ils ont écrit, tout est écrit dans les petits calepins. Tu merci. Écris ici, tu as dit ça en écrit. Demain, quand tu réveilles, ce que tu dis, ce que tu as dit aujourd'hui n'est pas pareil. Là, tu es en danger encore. Parce que c'est comme si tu n'es plus dans la vérité. Mais si tu as dit même chose que tu dis, c'est rouge. À midi, tu dis, c'est rouge. Le soir, le lendemain, on dit, ah, vraiment, il est toujours sur sa décision. Et ça, c'est un consigne à tout le monde, en fait. Et c'est ça, là, même en personne qui nous bloque beaucoup. Parce que souvent, quand on va tellement avec la peur, là, les gens n'arrivent pas à bien s'exprimer. D'autres vont dire ça,
demain, ils vont dire, ils vont chercher des témoins. Actuellement, là, on te donne convocation. Tu vas tranquillement, on va te sortir de ta maison, tu confies tout à Dieu, va t'accompagner, tu rampes. Ce qu'il y a à faire, tu fais, puis c'est tout. Si tu ne te reproches rien, tu vas voir que tu ne te reproches rien. Mais du moment qu'on te donne convocation, que tu n'arrives pas à les répondre, là, c'est déjà grave. Et quand tu dis, ta maman dit, faut pas monter dans les lives là. Mais faut pas oublier que vous avez filmé. Vous êtes les gens. Tout le monde est sur TikTok. Donc, c'est si TikTok est venu régler. Donc, c'est là-dedans. Chacun va avoir des idées aussi. Pour aller se trouver des solutions. C'est même si TikTok là, qu'ils vont demander pardon. Si peut-être en cas du gens qui ont enfermé, c'est même si TikTok là, ils vont venir demander pardon. Donc, si c'est le cas quand elle est là, là, moi, je comprends plus. Son cul nous fait mal actuellement. Il y a Est-ce que les photos sont connues, les images sont connues? Bon, moi, je ne connais pas, c'est ma fille qui a envoyé la qui dit elle est connue. Oui, ma fille Toride, toi enceinte, plein esprit de poclé en toi. Hein. Ça vient de moi, mais je ne suis pas trop poclé, le père. Ils sont allés boire rapidement, ils ont commencé à genre dire aux petits, ah, on rentre à la maison, ça se passe comment, comment ça va se passer. Maintenant, les petits là, voulaient faire. Le petit, lui, il n'était pas trop dedans, papa, parce que c'est encore un militaire. Il a même pas été dans la salle, ils ont yuruku l'enfant. Ils ont brutalisé l'enfant, ils ont violenté l'enfant, l'enfant, il est sur tout. Donc, quand on m'a appelé, on m'a envoyé les captures, et puis on m'a envoyé aussi les noms. Ah, Jarabi, il y a 17 septembre qui monte un document là. Je ne sais pas c'est qui, 17 septembre. Faut enlever la convocation, faut bloquer mon direct. Hein. C'est la convocation. On va faire convocation, on va faire convocation. On va bloquer direct. Même dans le live, même dire, même nous, maman, on était là, Marco, sur tout ça. Alors, peut-être c'est le parent du petit, on ne sait pas, hein, Jarabi. C'est très grave, papa. C'est sûr que c'est la personne qui est à la base de ce plan. Oui, la personne nous envoie les captures, on a les captures de l'image de l'enfant avec maintenant les plaintes là. On nous envoie ça. Et moi, je ne voulais pas en parler, mais cette histoire-là, si c'est vraiment si. Aujourd'hui, tu es allé avec un groupe de filles, ils l'ont kidnappé et puis voici qu'ils l'ont fait. Mais tu as devenu folle. Ça rend fou. Comme ma fille, toi, ici, Dieu a permis que tu aies le dossier, c'est pour dénoncer et c'est pour dévoiler. Parce que je ne guette cette personne, papa. Cette personne-là, je le guette. Et ça, je te cache pas, il me fait beaucoup de mal. Donne son nom à l'oreille, il savait comment. Pas dit ça ici, hein. Plus je veux que la papa t'a dit ça. Moi, je vais te dire ça au bébé. Dit son nom, hein. Emmanuela est génie. Pardon. Il s'appelle Emmanuela est génie. Hey, Emmanuela, d'un. Ok, je demande à tout le monde de retrouver sa photo pour qu'on puisse l'afficher publiquement. Et demander aux autorités compétentes de le retrouver. Et je vais mettre une prime de 500 000 francs. Pour toutes les personnes qui vont le retrouver sur le territoire ivoirien pour le conduire au commissariat le plus proche. Tout le monde va le chercher, moi-même je vais le chercher. Non, tu vas pas miser avec ça. Voilà, s'il y a une plainte et qu'on les recherche, on va aider la justice à le retrouver pour qu'ils puissent répondre de ses actes. Tu vas répondre, voilà. Tant de choses que tu as fait l'enfant, tu vas payer. Ok, donc on revient dessus, on passe là-bas, Electra. 17 septembre, écris mon inbox, il y a deux mon WhatsApp. 17 septembre, c'est le parent. Parce qu'il dit qu'il a les vidéos. Okay, non, il faut te calmer, mais... Alès. Alès, le vrai parent du petit, son vrai parent, il était avec l'influenceur. Faut te calmer. Les gens viennent comme ça, ils sont parents. Le vrai parent, je ne sais pas si c'est Tairi, je ne sais pas si c'est Tairi quelque chose, Tairo quoi, quelque chose, c'est son vrai parent. Il faut qu'il parte répondre. Mais il faut savoir que si réellement il a reçu cette convocation-là, qu'il ne se présente pas, je pense qu'il a vécu une histoire où les policiers sont venus le chercher chez lui, non? Et puis je crois qu'on avait demandé pardon dans le temps. Pour calmer. Il faut savoir que. T'as rien à voir avec ça, Alès, pardon. Passons à autre chose. Parce que la parole à Alès, regarde ici. Alès, s'il te plaît. Désolé, excuse-moi. Chose comme on appelle. Il faut dire que dans le temps où, comme tu tentais de dire, les policiers sont venus chercher, Alès, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de faire. Toi, tu sais. Qu'est-ce que je vais dire? Non, je reçois... Mais attends, Alès, toi, tu es trop parti dans le passé. Ça, c'est un autre. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Attends, tu ne m'as pas laissé terminer. Alès, faut te calmer. Il faut laisser ce passé là. Actuellement. Non, vous, laissez-moi terminer. Il a reçu convocation. Non, attends, d'abord, je viens. Il a reçu convocation. Comme tu en t'es reçu, bien dit. Est-ce que c'est lui? Il n'a pas pris convocation. C'est quand il va aller répondre là. Il n'a pas. Il n'a pas pris convocation. Il a dit que. Il a dit que. Attendez, je vais terminer ce que je vais dire. Vous me coupez pour pas comprendre. Ok, je vais terminer. Je vais dire que quand tu es convoqué, que tu ne te présentes pas, il y a un certain temps. Si tu n'as pas répondu, parce que vous avez obligation, quand l'autorité vous demande, vous souhaite de répondre, vous devez vous présenter. Maintenant, si vous ne venez pas, eux-mêmes, ils finiront par aller vous prendre. C'est comme ça se passe. C'est ce que je voulais dire.
Le grand frère, j'étais dans l'autre live là, le grand frère Dijon est venu parler. Il a pris trois convocations pour les trois garçons. Donc ils sont pour trois garçons. Garçons. Et Manette n'a pas répondu. Maintenant, on dit Nakale, tu Aurélie n'a même pas dit son nom même. Même Petit Aurélie n'a pas dit son nom. Il dit que quelqu'un n'a pas transition pour aller là-bas. Et puis il dit que s'il lui veut fuir, lui veut s'enfuir. Il était dans le live même, mais il est descendu. Quand il a vu la Brita commencer à sortir, il s'est échappé dans le live. Mais faut ça, on ne doit même pas laisser ça. Mais pas, c'est pas son travail. C'est ce qu'il fait à le petit Alul aussi. Ah, on fait la vraiment. Ok, on passe la parole à quelqu'un d'autre alors. En tout cas, c'est le bonheur du moment qu'elle a. Qui veut parler? Celle qui est en haut là. Galati. En tout cas, pardon, ça là, je ne serai pas dedans. Je ne vais pas demander pardon. Moi, mais je pas, si c'est vrai, je ne vais pas demander pardon. Hein. Tu peux aller faire pardon, demander pardon pour ne rien. Moi, si je vais aller parler là, à lui je encore. Je vais l'enfoncer même, je ne vais pas demander pardon. On va faire parler pour l'enfoncer. Parce que c'est un enfant de 15 ans. C'est un enfant de 15 ans. Si c'était en Europe ici, là, je ne pense pas que ce qu'on est en train de dire là, ça allait dépasser plus que ça. C'est un enfant de 15 ans, hein. Djarabi, s'il te plaît, ils sont en train de dire autre chose là-bas. Il faut bien écouter l'affaire là d'abord. Ceux qui sont en train de parler là. Le petit qui dit qu'il a envoyé truc là ici, là, les gens sont en train de lui poser des questions là-bas. Jusqu'à les glaglas a dit qu'ils vont se retirer d'enfer là. Le petit qui a envoyé truc là-bas, là, lui-même, il est en train de mentir. Il parle, il sait même pas ce qu'il est en train de dire. Il faut expliquer. Mm-hmm. Il dit que eux n'ont qu'à venir demander pardon publiquement. Et puis que son oncle a appelé que non, c'est bon. Eve n'a qu'à venir demander pardon public. Parce que si il ne peut pas mentir sur quelqu'un comme cela aussi, hein. Voilà, c'est ça. Il ne peut pas mentir. Il a menti aussi. C'est un délit de la commis. Parce qu'il va aller le vérifier. Attendez d'abord, il va aller le vérifier pour voir s'il a été violé ou pas. Il y a tout ça là-dedans. Oui, c'est ce qu'on laisse demander. Si le petit qui est en train de parler là-bas pour dire que truc là, il dit que son oncle vient de l'appeler. Voilà, tu vois les gens qui disent là, que son oncle vient de l'appeler, que non, que la famille peut, ils peuvent régler ça en famille, que eux, mais lui, il a déjà contacté la diaspora, mais que pourtant, eux n'ont qu'à venir demander pardon publiquement. C'est ça, Gagla a dit que non. Mais si eux, nous on est là, tu es affaire là, tu vas venir dire que non, eux n'ont qu'à venir demander pardon publiquement. Que si eux va venir demander, si c'est affaire de pardon, on dit affaire de veille là, toi tu parles de pardon, si c'est comme cela, nous on se retire. Mais pourquoi faire des veilles avant de demander pardon? Moi, je comprends pas. Il y a un guise sur l'âge. Parce que dans faire des veilles là. Non, moi, je parle pas de, moi, je parle pas de Eden. Je parle pas de Eden. C'est pas Eden qui était en train de parler là-bas. C'est une autre personne qui est en train de parler là-bas. Mais la personne est venue au pas de qui? De petit qu'ils ont veillé là. Oui, il dit que c'est lui. Oui, il dit que lui, il est le frère de un, que lui, son frère, maintenant, ça va. Maintenant, lui, il est en train de dire que il y a un petit qui est là-bas au nom d'Ali, que ses parents l'appellent. Voilà, Tyro. C'est ça, ils ont mis le nom là ici, Tyro. Il dit que il m'a qu'à venir demander pardon, que ça peut diminuer sa peine, ou bien quoi, que son oncle l'a appelé, la famille peut. Mais ça l'a fait, ça là. Ils n'ont qu'à bien fouiller. Eux aussi, ils n'ont pas envoyé l'enfant à l'hôpital, et puis vous venez dire les choses. Peut-être qu'ils se disent qu'ils ont fait la chose, ils n'ont pas la confirmation, parce qu'ils ont dit là-bas qu'ils vont montrer les preuves. Après, ils disent qu'ils ne montrent pas de preuves. Cette histoire-là, ils n'ont qu'à aller l'enfant à l'hôpital. Si l'enfant a été tant en temps, les médecins vont définir si vraiment il a été tant en temps. Ça, c'est clair, s'il a été veillé là. Les médecins vont définir s'il a été veillé. Oh, mais c'est pas vrai, les amis. Parce que quand tu dis que c'est pas clair, c'est pas clair. Djarabi, je vois ce qu'on fait. Comme on est déjà en live là, moi, je vais dans l'aide d'influenceur, bien me rassurer, puis il revient ici. D'accord, on fait ça comme ça. D'accord. Parce que la salle, si c'est ça, c'est veillé, on peut pas, nous, on peut pas laisser. Attendez. On va dénoncer cette histoire-là. Rapidement, parce que il y a des trucs chez moi là. Attendez, il y a dit quelque chose rapidement. C'est que VOL là, c'est un fait très grave. C'est très grave. Ça, c'est très grave. Venir demander pardon publiquement, c'est reconnaître que l'élément est coupable. Et il ne peut pas le faire parce que c'est trop grave. Maintenant, si le petit, en fait, vient justifier là qu'il est en train de diffamer ce truc, mais il va le poursuivre. Faut pas accepter. Aïe, qui veut parler, on vous écoute, hein. Tout descend là-bas, c'est quoi? Ça, quand tu veux parler, non? C'est quand? Bébé Natouche, on t'écoute. Oui. La preuve, là, le bar a montré tout, hein. C'est pas, c'est que les enfants la disent plutôt, c'est faux. Il a donné toutes les preuves. Et puis, depuis hier lui-même, là, ils ont parlé de ça. Il y a les preuves, hein. Tu as vu, quand le gars a montré net, il a montré les preuves, là. Le petit, là, il a fui en même temps, il a oublié. Il a fui en même temps. C'est là, il a indiqué chez lui. Qu'il n'aura pas venu le prendre chez lui. Qu'il habite à York, il dit vers où ça là. Sinon, c'est pas comme ça. C'est vrai qu'ils ont montré. Non, ils ont montré. Et puis, depuis hier, lui-même, ils sont à parler de ça. Si c'est faux, comment on peut parler de ça? Jusqu'à le monsieur même dit qu'il va partir ailleurs encore. C'est la première fois qu'on parle de lui. La question qu'il t'a posée, il t'a demandé si tu as vu les preuves. Attends, petit piment, attends.
Oui, c'est quand on t'écoute. Vu la lutte de la situation, vu que t'as de la main du béret, tu en penses quoi? Depuis là, tu ne donnes pas ton avis. Moi, mais c'est Abassoudi, je ne sais pas quoi dire. Depuis ta convocation, convocation. Je ne sais pas quoi dire, là, mais c'est mélangé. Je regarde d'abord, je ne sais pas quoi dire. Jusqu'à demain, on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Bah elle là la même, je sais pas, il peut pas, dire, il peut pas, je sais pas, mais je sais même pas même. Ah, tiens, j'ai l'habitude, mais tu vas dans les commentaires, on dit qu'ils n'ont rien montré. Ils n'ont rien montré, c'est la convocation des trois personnes là seulement, ils ont montré. Petit piment. Mais Emmanuel, oui. Dit que c'est un seul convocation. Il dit qu'elle ne va pas partir à l'hôpital là. Il dit, il n'a pas bien écouté avant de venir raconter. Il a bien précisé, il dit à la brigade là, des mineurs là, qu'il y a hôpital, il y a tout là-bas. Donc, ils ne sont pas partis directement à l'hôpital. Donc, c'est là-bas, ils ont tout vérifié pour faire tout avant de remettre les convocations. Mm-hmm. Donc, tu n'as pas bien écouté la partie là. Donc, le petit, il a été vérifié alors? Il a été vérifié à la brigade des mineurs. On dit, il y a hôpital, il y a tout là-bas. Son frère maintenant, a répété. Maintenant, quand il a été vérifié, ils ont assumé qu'il a été fait, il a été veillé. On dit, ils ont assumé, c'est pour ça qu'ils ont donné les convocations pour venir. Donc, petit, mm-hmm. Tu n'as pas bien écouté. Il a bougé mon rôle là, lui, là, il ne sait pas où il est. Ils disent qu'ils ne sont pas partis d'un grand hôpital, mais ils sont partis à la brigade. Voilà, c'est pas ce qu'il a dit. Monsieur, toi qui parles, tu n'es pas intéressé.